swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything, and I would change it if I could, could. I swear I'm hitting the floor. I could swear that my stomach just sunk a meter. I'll be dead if I take any more. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. Et bonsoir tout le monde, c'est parti pour la grande finale de la Formule Renault 3.5 organisée par la FFSA. Bonsoir, bienvenue sur ce live. N'hésitez pas à retweeter pour que l'on soit de plus en plus nombreux. On enchaîne les lives après hier, eh bien, la BMW Cup, la 320 TC Cup, eh bien, on place de la monoplace ce soir. On part du côté d'Abu Dhabi pour la dernière course de l'histoire de ce championnat de la Formule Renault 3.5, un championnat à disputer, même si devant les écarts sont assez importants. Derrière, il y a encore des places d'honneur à remporter. Et alors, je vous parle, eh bien, les pilotes quittent l'emplacement dédié sur le TeamSpeak à la conférence de presse et le briefing de pré-course, évidemment. C'est là où on règle tout ce qu'il faut régler avant, eh bien, de lancer cette soirée. On va faire un point sur le programme de ce qui vous attend ce soir, avec tout d'abord, eh bien, pas de séance d'essai libre. Cette dernière va se terminer dans 5 petites minutes. Et ensuite, vous allez avoir la qualification, 20 minutes pour que l'ensemble des pilotes, eh bien, rentre le meilleur chrono possible, pardon, sur ce tracé d'Abu Dhabi. 5 minutes de warm-up. L'équivalent des reconnaissances où les pilotes pourront faire, eh bien, les derniers niveaux avant de lancer leur voiture en grille. Il y aura 6 minutes de reconnaissance pendant lesquelles les pilotes vont devoir aller rejoindre leur emplacement sur la grille de départ avant de partir pour une course de 60 minutes avec un cas un petit peu particulier pour cette dernière manche de la saison, avec un départ sous le soleil et puis, eh bien, l'arrivée sous les étoiles. On vous parlait du classement, le voici, vous le découvrez à l'instant avec l'envolée, hein, vous le savez de maintenant, Anthony Yans, le pilote de l'équipe Williams Martini Racing, qui a pris son envol au fur et à mesure des épreuves de ce championnat. N'hésitez pas à nous donner un retour sur le chat si vous nous voyez et vous nous entendez bien. Bonsoir à toutes et à tous, bien sûr. N'hésitez pas à partager donc ce live, à retweeter, à prévenir vos amis. Plus on est de fous, plus on rit. Hier, on a eu droit à une belle épreuve. Pardon. Et oui, ma voix a quelques séquelles de ce qui s'est passé hier. En tout cas, pour aujourd'hui, eh bien, on est à bloc et on va partir. Voilà.
pour les 20 minutes de qualification. C'était donc le classement, vous l'avez découvert avec bien quelques enjeux encore, peut-être pour le pied de podium avec Olivier Vignon et Philippe Renaud. Peut-être une quatrième place en vue pour le pilote de l'AGS. En tout cas, pour l'heure, on va s'intéresser à cette séance qualificative. Vous le voyez qui va débuter d'ici 13 petites secondes. Et vous voyez qu'on est déjà en train de se bousculer au bout de cette pit lane. Alors, vous avez à l'écran Anthony Jans. Alors, quelques livrées un petit peu plus adaptées. C'est la dernière de la saison. On fait quelques petites exceptions, évidemment. Allez, c'est parti. Le feu vert en bout de ligne droite avec cette sortie d'épite assez particulière. Vous le voyez, il y a bien le petit tunnel. Vous connaissez bien Abu Dhabi. Et il faudra faire attention en sortie de pitlane parce qu'il y a une ligne blanche traître. Et si vous allez mettre deux roues dessus, eh bien la pénalité n'est pas loin. Voilà, vous le voyez, c'était limite déjà pour Anthony Jans. On va se mettre en caméra embarquée avec eh bien le désormais champion avec 50 points d'avance. On rappelle que pas de points doublés ici en Formule 1. C'était le cas l'année passée, en 2014 en tout cas. L'épingle du fond ici, vous découvrez donc ce circuit qui évoluera tout au long de la soirée. La séance qualificative se déroulera sous le soleil, mais eh bien pour l'heure de course, ça va changer et le ciel va s'assombrir. Alors, tout se passe bien. Est-ce que vous entendez bien également le bruit du moteur, ou est-ce qu'il faut l'augmenter ou le diminuer pour que le mélange soit parfait? Vous savez, ce sont les habituels tests de début de retransmission. Quelques détails importants tout de même, puisque certains pilotes ne participeront pas à la séance qualificative. En effet, les calculs ont été faits et les pénalités distribuées après la manche de Sochi, de Suzuka et les manches précédentes. Et eh bien, il y aura un total de 6 pilotes qui sont privés de séances de qualification. Ces derniers devront partir du fond de grille. On citera Allan Janssen, Olivier Vignon, attention Olivier Vignon, Laurent Bougazzi, Jean-Michel Sanchez, le Gentleman, Jérémy Noira et enfin David Lespèce, des noms que vous avez l'habitude de voir en tête pendant les épreuves de la Formule Renault 3.5 que vous pourrez certainement retrouver l'année prochaine, puisqu'on vous l'a dit, c'était la dernière course pour la Formule Renault 3.5 l'année prochaine, place à la Formule 1. Et oui, il y aura une discipline monomodèle basée sur les règles de la Formule 1 avec eh bien, l'ensemble des composants pneumatiques ainsi que eh bien, la gestion du carburant, le RS, etc. Donc ce sera une toute nouvelle aventure. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire si vous souhaitez participer à l'événement. Il suffit pour cela de vous rendre dans la description de cette vidéo Twitch. Une voiture au ralenti devant, attention. C'est une voiture du GPT Racing, serait-ce Emanuele Dellera, en effet, le seul représentant italien inscrit sur cette grille de départ qui avait visiblement été un petit peu au large. Allez, on va entamer un tour en compagnie de Philippe Renaud, donc candidat au pied de podium au classement général, évidemment. Ok, le son est bon, et eh bien c'est parfait, vous êtes formidable. Merci à vous d'ailleurs pour votre fidélité, on va vous le mentionner tout de même, hein. On va vous mentionner merci à vous si vous nous suivez depuis eh bien, la moitié de cette année, depuis le mois d'août où j'ai repris la diffusion de ce championnat passionnant qu'est la Formule Renault 3.5 et on atteindra un nouveau niveau l'année prochaine. Oh, et il y en a un qui est allé taper le mur, qui est allé là-bas tâter des Armco. Alors Nicolas Payès n'a plus d'aileron arrière, je ne serais pas étonné. Et c'est Simon Pirard. Et bien voilà, qualification terminée pour Simon Pirard. Ça, c'est une petite catastrophe dans le Williams Martini Racing. Alors attention, la règle, vous le savez, pas d'échappe. C'est-à-dire que le pilote ne peut pas appuyer sur échappe en séance qualificative ou en course. Sinon, c'est tout simplement l'exclusion pour lui. Et je pense qu'il est allé au contact, en effet, avec son petit camarade tout à l'heure. Et là, c'est vraiment une séance qui commence mal entre... Eh bien, Olivier Vignon et Simon Pirard, ça n'a pas fonctionné déjà. Premier chrono rentré pour Jérémy Puff, qui s'empare provisoirement du meilleur temps, le voici. Et avec une grosse dérive dans le premier gauche pour le pilote de la voiture numéro 33. Et deuxième, donc, alors Simon Pirard a en effet rentré un chrono, du moins semble-t-il. On va aller voir qui est deuxième. Donc, Kevin Lefondré, second pour l'instant, semble-t-il. Troisième, Ludovic Rollet. Sur la voiture du LS Racing, avec des couleurs toujours aussi vives et faciles à détecter. Alors,
Visiblement, vous avez eu des soucis au niveau de la diffusion. Effectivement, nous n'avons pas la possibilité de proposer le choix de la qualité, mais on est obligé de tenir un minimum cette qualité, puisqu'il faudra vous proposer le replay, et il faut que celui-ci, soit exploitable. Pardon. Nicolas Payès, donc 15e, qui lui a eu la chance de pouvoir ramener sa voiture blessée jusqu'au niveau des box dans cette séance qualificative déjà entamée de 5 minutes avec un Anthony Yans bien motivé. Le pilote belge est actuellement leader. Alors on va vous montrer ça rapidement. Voilà, au niveau des écarts, donc 1.48.351 pour Anthony Yans, donc pour l'instant 6 dixièmes devant Kevin L'Effondré et Ludovic Rollet et 9 dixièmes derrière. Une seconde 2 pour Jérémy Poff et Jean-Claude Loeticia, premier gentleman ce soir. Alors Nicolas Payès qui ressort mais sans aileron arrière, ça c'était peut-être pas prévu. Si, ça y est, il est apparu, la magie des mécaniciens ici à Abu Dhabi fait encore son effet. Eh bien le live est nickel. Alors si vous avez en effet des soucis de connexion, j'en suis navré, mais de mon côté aucun drop, donc on est dans une qualité correcte. Et on pourrait même l'augmenter, mais pour, voilà, pour la vision de chacun, il est préférable de modérer la qualité. En tout cas, Sébastien Garcia, lui, est dans le top 10. Ça bloque les roues, hein. Vous le voyez ici à Abu Dhabi, un circuit très difficile. On rappelle que la direction de course a bien précisé pendant le briefing qu'il ne fallait pas mettre deux roues au-delà des deux lignes blanches qui délimitent le bord de la piste. Ceci n'inclut pas le vibreur, évidemment. On ne va pas aller tâter du bord de piste. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'astroturf ou d'herbe que l'on peut y aller à foison. Cinquième place pour Philippe Renaud, que l'on va aller voir tout de suite. Le voici, il vient de conclure un tour. On va voir s'il continue dans sa progression. Et Ludovic Rollet qui vient de prendre la deuxième place. Une demi-seconde derrière Anthony Yans. C'est assez serré entre Yans, Rollet et L'Effondré. Jérémy Poff, lui, est un petit peu plus loin au-dessus de la seconde. Et donc Simon Pirard, 13e, qui voilà, eh bien, a décidé lui de faire échappe. Donc la qualification est terminée pour lui. La grosse dérive de Sébastien Muret. Dans un tour rapide avec la voiture aux couleurs de l'écurie italienne Toro Rosso. Alors, est-ce qu'on peut activer le DRS? En effet, le DRS est d'application. On rappelle que les pilotes pilotent sans assistance technique, donc pas d'ABS, pas d'anti-patinage et pas de contrôle de stabilité, pardon, on va y arriver. Mais le DRS fait bien sûr partie de la réglementation, comme c'est le cas en Formule Renault 3.5, et celui-ci sera activable en qualification et à partir du troisième tour en course ou à partir du deuxième tour après le safety car. Voilà. Pour ceux qui souhaitaient certains éclaircissements sur la réglementation, n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat, on vous lit. Du moins, on essaie de répondre à l'ensemble de vos questions. On rappelle également que la safety car est toujours d'application en cas d'accident. Celle-ci peut sortir en cas d'accident lors de l'épreuve, et donc il faudra faire avec. On a une petite amélioration au niveau des affichages avec bien les pneumatiques Michelin, maintenant bien plus clair sur les pneumatiques. C'est pas grand chose, mais ça ajoute quelques petits détails également au niveau de la livrée de certaines voitures qui a été un peu adaptée pour cette dernière épreuve. Et pour Jean-Claude Rollet, on rentre remettre certainement des pneumatiques et refaire les niveaux pour repartir. Kevin L'Effondré, lui, est dans un tour de lancement. On va peut-être voir si ce dernier entame un tour rapide avec malgré tout une voiture devant lui. On va voir ça d'ici quelques instants. Et en plus, c'est une voiture du Williams Martini Racing qui est devant lui, donc attention. Et oui, en effet, on a quelques équipes qui s'inspirent grandement des livrées utilisées actuellement en Formule 1. Un bon premier secteur pour Kevin L'Effondré, 3 centièmes de mieux, c'est pas grand chose, mais ça se prend, surtout quand on sait que voilà, il n'a qu'un petit dixième de retard, 12 centièmes sur Ludovic Rollet. Allez, la grande ligne droite avec le DRS, vous le voyez, voilà, à droite on est passé devant le point de détection de ce dernier. Alors on va vivre l'évolution de son tour de qualification pour Kevin L'Effondré. Alors la safety car est une Renault Clio 3, pour ceux qui se demandent, c'est le modèle de base que vous avez dans Air Factor 2, tout simplement. Alors en effet, ce sont des vrais gens, hein, bien sûr. Ce sont bien sûr
des vrais pilotes, pas d'IA ici, ce serait un petit peu un non-sens de commenter une course avec des IA. Un deuxième secteur, bien pour l'ami Kevin L'Effondrer, qui a manqué de chance plusieurs fois cette année avec notamment l'accident à Suzuka pour lequel il n'était pour rien. Petit blocage de roue ici du côté de la roue avant droite, attention parce que eh bien, les plats sur ce R-Factor 2 sont bien gérés et il est possible qu'à la fin eh bien, votre voiture soit tout simplement inconduisible avec un pneu carré si vous répétez ces blocages de roue, ce qui ne semble pas être le cas pour Kevin L'Effondrer. Troisième, va-t-il aller chercher la deuxième place avec eh bien, quasiment 2 dixièmes de mieux alors que 2 secteurs sont sous drapeau jaune. Et on améliore du côté d'Anthony Jans et de Kevin L'Effondrer. Les deux pilotes ont rentré un chrono plus rapide à l'instant avec donc Anthony Jans en 1:47.8. Poleman provisoire à moins de 10 minutes de la fin de cette séance qualificative. Et bien voilà, Ludovic Rollet, pourquoi ça n'améliore pas? C'est dans le mur avec visiblement un moteur. On n'a pas vu ce qui s'était passé pour lui. C'est dommage. Et drapeau jaune dans le premier secteur. Attention, cette séance qualificative qui commence à être une séance à élimination. Il faut rester prudent. Et vous voyez donc l'ensemble des pilotes. On le rappelle pour ceux qui sont arrivés un petit peu tard dans cette séance qualificative ou dans cette soirée tout simplement. Il y a 6 pilotes qui sont exclus des qualifications suite aux pénalités. Il y a un moteur derrière. Il y a un moteur qui vient d'exploser en fond, dans le fond de l'image. Et c'est une voiture bleue. Et Sébastien Muret, visiblement, alors soit il y a un trop plein d'huile, ce qui me semble peu probable. Où c'est un souci d'affichage, mais cette voiture est en train peut-être d'avoir des soucis moteurs. Et non, en tout cas en caméra embarquée, rien de visible. On rappelle donc sortie pour Simon Pirard. Et donc je vous disais que 6 pilotes sont ce soir victimes des pénalités cumulées, alors que ça améliore encore du côté du pilote de la 45, Anthony Jans, qui confirme qu'il est... Eh bien, jusqu'au dernier abaissement du drapeau à damier cette saison, l'homme à battre dans ce championnat. Alors, ils sont globalement tous au volant. Oh, et ça y est, c'est le choc pour Anthony Jans. Alors là, ça n'était pas prévu au programme pour le champion et le pilote belge. Alors, va-t-il rentrer sur 3 roues? Je pense que... Oui, le moteur est coupé. Et attention, parce que là, il y a une réelle chance pour Kevin L'Effondrer d'aller chercher une pole position. Il va lui rester 8 minutes, alors il faut chercher 8 dixièmes. Ce n'est pas l'intention là, parce qu'il y avait la voiture numéro 68 qui est passée. Voyons, on passe à l'écart. Attention, parce que là, il peut encore rentrer. Ah, ça semble être difficile à la vitesse où il va. Attention, mon cher Anthony, de ne pas gêner non plus l'entrée des box pour les autres pilotes. Oh là là, c'est passé serré là pour une voiture du LMO Racing, je pense. Alors, Anthony Jans sur 3 roues. Comme l'avait fait à son époque Michael Schumacher, Raspa ou Ayrton Senna. Attention. Et il va y arriver. Est-ce qu'il va y arriver sur son élan? On vous avait dit que ça allait être difficile. Les horaires, eh bien, ce soir, vous avez donc cette séance qualificative qui dure encore 7 minutes. Ensuite, une pré-grille de 6 minutes 30. Ceux qui demandaient à quoi ressemblait le pace car, vous l'avez juste derrière la voiture d'Anthony Jans. On va l'apercevoir ici à droite, alors que derrière, attention, il y avait son équipier voilà, qui tente de rentrer. Est-ce qu'il va arriver jusqu'à cette fameuse ligne, Anthony Jans, et aller cueillir les box? Attention, il y a changement de position devant, ça bouge pas mal avec un Nicolas Payès qui vient de monter au 3e rang. Donc sur la droite, le safety car que vous apercevez sur la gauche maintenant. On va retourner en piste, voir si certains pilotes améliorent. On a Nicolas Payès, 3e. Attention, et Jean-Claude Laetitia pour l'instant solide 5e, hein, avec 1:04 de retard sur le temps d'Anthony Jans qui... Eh bien, à moins d'un miracle, n'améliorera pas. Séance qualificative terminée pour le pilote belge. Ça semble difficile de le voir repartir, en tout cas, si les mécaniciens remettent la voiture en état à 6 minutes, ça semble difficile. Alors, Kevin L'Effondrer est en retard, Nicolas Payès également, Jérémy Puff est à l'arrêt, et Jean-Claude Laetitia continue sa progression avec un premier secteur amélioré de 2 dixièmes pour le pilote de la LMO Racing pour l'instant. Allez, on va vivre ça en caméra embarquée avec lui. Il passe le deuxième secteur avec le DRS qui doit normalement voilà, s'activer. Vous l'avez vu, la trappe s'est refermée. Ça fonctionne à l'inverse de la F1. Et voilà, au moment où il touche les freins, l'aileron se replace. Et Mathieu Leclerc prend la 14e place à Simon Pirard. Effectivement, on vous le rappelle qu'il y avait donc eu un accident plus tôt dans cette séance. Séance difficile pour les pilotes de la Williams Martini Racing. Entre l'accident de Anthony Jans et les pénalités de ses petits camarades, ça commence à faire beaucoup. Thierry Daven aux portes du top 10 maintenant.
Il est 11e. Attention, un deuxième secteur dans le rouge pour Jean-Claude Loetitia après quelques erreurs et approximations. Et ça passe bien. Vous voyez la différence avec ce qu'a fait tout à l'heure Anthony Yans, peut-être surpris par les Marbles. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Ça fait plaisir. Merci à vous de vous être déplacés ce lundi soir avec un très joli bug d'affichage chez moi. Je n'ai plus d'écran. Est-ce que ça va revenir? Et non, visiblement, on a perdu le jeu. Alors ça, c'est un petit souci technique que nous fait habituellement Air Factor. Ça ne devait pas arriver maintenant, c'est dommage. Qu'est-ce qui s'est passé là? On a perdu l'affichage de notre côté. Ça, c'est assez dérangeant. Bah écoutez, on fait une pause et on se retrouve tout de suite avec le retour de la qualification rapidement. A tout de suite. Your words naked, you got me blushing.
swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that. Allez, nous sommes de retour, à navré pour ce petit souci. Mais bien tout simplement, R-Factor 2 n'a pas voulu fonctionner. Donc il y a eu un petit souci technique, on va s'efforcer de ne pas reproduire ça ce soir, navré pour ce petit souci. En tout cas, au niveau des qualifications, vous n'avez rien raté, mais s'il n'y a pas eu de changements fondamentaux, si ce n'est la troisième place de Jérémy Puff qui est repassé devant Nicolas Payès, toujours en piste. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, vous n'avez rien loupé. Normalement, vous êtes de retour. Alors, n'hésitez pas à spammer le chat avec un Alt F4 ou un F5, c'est toujours bon. Dans ces cas-là, ne vous inquiétez pas, on tente de ramener le plus rapidement le direct. On vous rassure pour l'année prochaine, pour le championnat 2016, tous ces soucis devraient disparaître avec eh bien, une amélioration technique drastique de mon côté, ce qui devrait vous permettre de profiter d'une stabilité un peu plus accru des lives. Nicolas Payès termine donc cette séance qualificative avec donc la pole position pour Anthony Jans, donc en 1:47.714 après son gros accident. Donc Kevin L'Effondré est donc deuxième. Alors, pour tout vous dire, on fait ça à la main, comme à l'époque de Jean-Louis Moncey, vous savez vous-même. Et Jérémy Puff est donc troisième à 0,7 secondes. Nicolas Payès est toujours dans la seconde, mais à 9 dixièmes. Et ensuite, Emmanuele Delera, cinquième, à 1 seconde 4. Voilà pour la séance qualificative qui a donc de se terminer ici à Abu Dhabi. On va passer directement, voilà, vous allez pouvoir découvrir l'interview du poleman d'ici quelques instants. Allez, ça revient tout doucement, merci à tous pour votre compréhension. On va aller chercher Anthony Jans donc pour changer. Jans qui donc voilà, donc nous voilà, on se retrouve donc pour l'interview du poleman du jour, Anthony Jans. Bonsoir Anthony. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors Anthony, tu as vécu une séance qualification difficile, nous aussi avec un petit crash, mais les gens sont là, pas de soucis, tout est revenu dans l'or évidemment. Anthony, donc pole pour une nouvelle fois, on va dire, cette saison, la pole position avec deux petits dixièmes d'avance sur Kevin L'Effondré. Tu as eu un gros choc dans le troisième secteur, mais ton élan t'a permis de rejoindre la fameuse ligne d'entrée des stands. Peux-tu nous expliquer ta qualification, comment ça s'est passé, comment tu t'es retrouvé finalement en pole devant Kevin? Simplement, voilà, on a essayé d'aligner les trois secteurs. Bon, j'avais un peu de mal dans le premier. Au niveau du premier virage, le setup est... et pas au top pour le premier virage, mais bon, après dans le deuxième et surtout dans le troisième, on arrive à se démarquer, donc on peut faire des très bons chronos. Bon, après voilà, il y a eu un petit souci avec un mur et j'ai eu de la chance de pouvoir rentrer au stand, sinon ça aurait été un abandon quoi. Également en début de séance, on a vu ton équipier terminer dans le mur. Tu sais ce qui s'est passé? Tu as eu des informations? Oui, apparemment, il y a un pilote qui voulait passer, qui a décéléré, il a été un peu surpris et donc il y a eu un choc et lui il a cassé le moteur aussi, mais du coup il a pas pu rentrer jusqu'au stand, donc l'abandon, simplement. Une course qui s'annonce pas si facile que ça pour les Williams Martini Racing. Ouais, c'est vrai que celle-ci va être un peu plus compliquée, je crois que Cyril est 8ème. Mm-hmm. En effet, et Simon, je sais pas exactement, mais bon, il part dans le fond de classement du coup, alors qu'il pouvait, je pense, jouer 2, 3ème, peut-être même la pole. Donc c'est dommage. Tu vois comment cette course avec quand même quelque chose d'assez original. On va terminer de nuit, changement de température, changement de comportement. Quels sont les points clés pour toi d'une course de nuit? Je pense qu'il va falloir bien connaître ce poids de freinage, parce que du coup, on va au fur et à mesure perdre en,
Enfin, je veux pas dire perdre en visibilité, mais ça va être un autre aspect du circuit qu'on va découvrir, donc ça va être assez compliqué. Et après, ça va être joli pour tout le monde, quoi, de voir les lampes s'allumer, l'hôtel, etc. Ça va être pas mal. On a hâte en tout cas de pouvoir proposer ça. Une dernière chose, parce qu'on voit que bien, ça commence à y aller, hein, c'est une séance qui vient de débuter. On va te laisser aussi régler ta voiture, il n'y a pas de raison que tu sois lésé par rapport aux autres. Dernière course de la Formule Renault 3.5, un championnat que tu as quand même dominé de la tête et des épaules. On va en parler tout à l'heure, il y a aussi l'année prochaine qu'on évoquera avec toi, avec le nouveau championnat pour 2016. Tu vois, j'imagine, une belle victoire au bout de cette dernière manche, finir en beauté l'histoire de cette Formule Renault 3.5, j'imagine. Bah ouais, ça serait bien. Maintenant, bon, on va voir, parce que c'est un circuit qui, un peu comme Sochi, va être assez compliqué, je pense, parce que des très grandes lignes droites. Et bah, au niveau pointe de vitesse, on n'est pas les mieux. Mm-hmm. Bah, on va peut-être avoir du mal, surtout dans le premier tour ou pour doubler. On va la revoir, mais ouais, une victoire, ça serait pas mal. Allez, bah c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci Anthony, on sent qu'il y a un petit peu de stress, en tout cas de concentration du moins. Merci d'avoir fait le déplacement pour ces quelques mots. On va te laisser retourner eh bien, dans le TeamSpeak dédié à ton équipe et on te souhaite bonne chance pour la course. À tout à l'heure, peut-être, si eh bien, tu convertis cette position en victoire. À tout à l'heure, Anthony. Merci, à plus tard. Voilà, c'était donc Anthony Jans qui venait nous exprimer et nous donner son sentiment après cette séance qualificative. En effet, on va terminer la course de nuit. Voilà, pas de souci, vous êtes au courant de tout. Alors qu'on a actuellement Jérémy Noir qui avait fait le spectacle hein, lors de la dernière manche et qui ici eh bien, a quelque chose à jouer avec cette livrée assez sympa, en tout cas bien visible avec son vert pomme. Anthony Jans donc va certainement prendre maintenant la piste. Donc on a un petit warm-up ici qui devrait se terminer rapidement. Ensuite on va enchaîner avec eh bien, la mise en grille 6 minutes 30 pour eh bien, prendre une dernière fois la mesure de cette piste d'Abu Dhabi. Et puis le départ de cette manche qui, eh bien, on vous l'a dit, débutera sous le soleil, sous la lumière du jour et se terminera sous les spots et la lune et les étoiles d'Abu Dhabi. On fait une toute petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Poursuivre donc le warm-up. À tout de suite les amis. Swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kind of wrong, kind of right, kind of anything, and I would change it if I could, could. De retour pour vivre la fin du warm-up, mais avant un petit point sur les classements ce soir avec donc vous le voyez le titre et l'avantage hein, pris par Anthony Jans au début de l'épreuve
et tout au long du championnat. Donc il partira encore une fois en pole ce soir. Deuxième, Nicolas Payès, donc Simon Pirard, troisième. Quatrième, Olivier Vignon. Cinquième, Philippe Renaud, qui a une bonne chance avec un bon rythme montré en qualification. L'ami Philippe Renaud, il pourrait peut-être bien aller shipper cette quatrième place à Olivier Vignon. Yannick Lapchin absent et 6e, Patrick Vandeau également 7e absent et Fabrice Piaia est 8e avec 66 points. On vous rappelle le programme de la soirée si vous n'étiez pas avec nous depuis tout à l'heure. Nous sommes actuellement en warm-up, il ne durera pas 5 mais bien 10 minutes exceptionnellement avec l'absence et les pénalités qui ont été infligées aux différents pilotes. On vous dit ça tout de suite. La reconnaissance, plus ou moins 6 minutes pour que les pilotes aient le temps de se présenter sur la grille de départ. Et ensuite, l'extinction des feux pour une course de 60 minutes. On va repasser sur les images du direct avec la séance de warm-up qui continue. Je vous parlais à l'instant des pilotes pénalisés. Il y en a un qui a souffert en qualification, qui n'était pas pénalisé. C'est Simon Pirard qui reprend le roulage pour l'instant. Pour les autres, ça commence seulement à rouler. On va citer voir si on peut voir Olivier Vignon, peut-être. Ce serait bien de voir les autres pilotes. Ont-ils le droit de rouler pendant cette séance de warm-up? Visiblement, je ne vois pas pourquoi. Et non, ceux-là n'ont pas le droit. Si, voilà. On y arrive. Donc, les pilotes ont le droit, évidemment, de rouler pendant le warm-up. Maintenant, ça tombe sous le sens. Donc, 6 pilotes ont été soumis aux différentes pénalités. Et le résultat, c'était une interdiction de participer à la séance qualificative qui vient de se terminer. Ces 6 pilotes étaient Allan Janssen, Olivier Vignon, que vous avez actuellement à l'image, Laurent Bougazzi, Jean-Michel Sanchez, le gentleman Jérémy Noira et David Lespèze. Voilà, c'était le nom des 6 pilotes qui n'ont pas pu défendre leur chance pendant les 20 minutes de qualification auxquelles le nouveau n'a assisté et desquelles sont sortis vainqueurs, notamment Denis Yans avec une pole en 1:47.714 devant Kevin Leffondré pour 2 petits dixièmes, Jérémy Puff 3e pour 7 dixièmes, Nicolas Payès se hisse dans la seconde avec la 4e place et Emmanuel Edelera sera 5e sur cette grille d'Abu Dhabi avec une seconde 4 de retard. Deux secteurs sous drapeau jaune, assez inquiétant. Alors que là on s'écarte pour Mathieu Leclerc, on va aller voir peut-être. En tout cas, Philippe Renaud qui fait un bon début de week-end. On ne l'avait pas vu à pareil fait lors de la dernière épreuve, mais à Suzuka ça s'était mal terminé, on s'en rappelle. Mais il y a vraiment des bonnes chances pour lui ce soir d'aller chercher cette quatrième place si il arrive à mettre bout à bout tous les secteurs. Vous voyez les différents pilotes qui sont en train d'évoluer sur la piste avec Jérémy Noira en 1 minute 50. Ce n'est pas exceptionnel sachant que la pole était en 1:47, mais on travaille certainement avec un petit peu plus de poids. Oui, Anthony est déjà champion en effet avec 50 points d'avance. On ne double pas les points à Abu Dhabi comme ça a été le cas en 2014. Et c'est également, on vous l'a dit, on l'a évoqué rapidement avec Anthony Yann, c'était la dernière course ce soir de l'histoire de ce championnat Formule Renault 3.5 by FFSCA. L'année prochaine, place à la Formule 1. 5 composants pneumatiques, le RS, le KERS, la consommation. Tout cela changera la donne et vous pouvez vous-même vous inscrire pour ce championnat l'année prochaine. On vous dira tout en fin de stream. Restez avec nous, toutes les informations après l'interview des vainqueurs. Alors, on prévoit une remontée pour Jérémy Noira. Pour l'instant, le chrono n'est pas en sa faveur. On va voir si ça évolue encore. Il reste 6 minutes dans ce warm-up. David Lespèze, second. Et on doit avoir des regrets dans certains chefs d'équipe parce que là, il y a des pilotes qui auraient pu montrer ce dont ils étaient capables en qualification. Malheureusement, les pénalités cumulées ont empêché cela. Philippe Renaud 5e avec la GS donc. On est avec Simon Pirard qui va entamer la grande ligne droite. On rappelle avec les deux secteurs de DRS ici à Abu Dhabi. On va vous montrer ça d'ailleurs tout de suite. Vous allez voir le bas de l'aileron bouger une fois la zone de détection entamée. Voilà, le DRS s'active. Et une fois que le pilote va toucher la pédale de frein, ce dernier va se refermer. Voilà. Vous l'avez entreaperçu. C'est compliqué techniquement pour la stabilité de ce serveur. Et c'est difficile aussi pour la stabilité de la voiture. Pour Simon Pirard qui a fait un petit échappe. Attention. Alors c'est en warm-up, ça doit sûrement être toléré.
n'a pas revu l'ensemble de la réglementation, mais faites-nous confiance. On va essayer de la connaître au mieux pour l'année prochaine parce que cette dernière sera bien chamboulée. Dans la description, en dessous de ce flux Twitch, vous pouvez tout de suite découvrir eh bien, un lien qui vous redirige vers le forum de ce championnat. Et ainsi, vous pourrez vous inscrire pour participer vous-même l'année prochaine. Voilà, c'est terminé pour le warm-up. Anthony Yann a mis fin aux espoirs de certains qui étaient en train d'améliorer. L'après-gris a commencé. On va se retrouver d'ici quelques instants. Donc, pour vivre la course, 60 minutes d'épreuve. On revient d'ici quelques minutes, le temps que les pilotes eh bien, viennent se mettre en grille. Une petite pause, n'hésitez pas à pronostiquer sur le chat votre favori. Je pense qu'Anthony Yann va recevoir pas mal de faveurs ce soir. N'hésitez pas aussi à poser vos questions sur le chat et à réagir. Et tant que vous êtes posé et que vous attendez comme nous le début de cette séance, eh bien, tweetez-nous tiens, sur le Twitter @maxoulpilote si vous nous regardez. Eh bien, posez dans le canapé, sur votre PC, votre tablette en famille, je ne sais pas. Envoyez-nous tout ça et on vous retweet bien sûr. Allez, à tout de suite donc pour la séance principale de ce soir, la course. Swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kind of wrong, kind of right, kind of anything, and I would change it if I could, could, c'était la dernière pause. Maintenant, place à l'action ici à Abu Dhabi avec, vous le voyez, un ciel qui a déjà bien changé et les ombres qui eh bien, s'accumulent petit à petit sur le tracé d'Abu Dhabi. Et la séance de pré-gris qui a débuté il y a maintenant un petit peu moins de 3 minutes. Et il reste 3 minutes 45 à l'instant aux pilotes pour aller, eh bien, aller se placer sur la grille de départ. On vous rappelle rapidement le top 5. Si pas, vous avez le classement sur votre gauche complet, mais... on va quand même faire un petit topo de ce qui s'est passé. Avec donc Anthony Yans en pôle. Ce dernier a réalisé le tour le plus rapide de cette séance qualificative en 1 minute 47 secondes 474 millièmes. Deuxième, Kevin Leffondré à 2 dixièmes. Troisième, Jérémy Puff. Quatrième, Nicolas Paillès. Et cinquième, donc Emmanuel Delera. Le reste du classement sur la gauche de votre écran avec un Jean-Claude Laetitia. Eh bien, qui s'est ici au 7ème rang, le Gentleman Driver. On vous rappelle que les Gentleman Drivers sont des pilotes âgés de plus de 50 ans. Ils sont au nombre de 2. Alors, il y a eu visiblement une petite déconnexion pour l'un des pilotes, ce n'est pas grave. Ça devrait pouvoir revenir. Et vous voyez donc, chacun des pilotes va rejoindre la grille de départ. Vous voyez également que 3 feux sont encore allumés. Ces derniers s'éteindront à 2 minutes, 1 minute. Et ensuite, quand ils s'éteignent, ce sera le début de ce tour de formation. La pole position pour Anthony Yans qui va donc se placer. Intéressant de voir également que cette pole position est sur la droite et non sur la gauche. Et cette grille va être assez rapidement complétée. Alors il y a quelques petites manœuvres qui sont effectuées par les différents pilotes. Alors, on est en compagnie maintenant de Jérémy Noirin. On va voir si d'autres sont encore en train d'arriver. Et voilà, Philippe Renaud est en train de
terminer son tour de mise en grille. Ce dernier pourrait encore tenter, peut-être, non, ça risque d'être serré si on ne rentre pas maintenant pour repartir pour un tour de formation. Au niveau des arrêts au box, on n'a pas trop d'informations. Certainement un arrêt obligatoire pour eh bien, effectuer des changements de pression et les adapter aux températures bien plus froides qui vont se présenter à nous ce soir. Alors, on va vous mettre voilà, comme ceci, ne vous inquiétez pas. Voilà, allez, les derniers retardataires qui arrivent. Visiblement une voiture du LMO Racing qui vient se placer. Et d'ici une petite minute trente, eh bien, début du tour de formation de cette dernière manche de l'histoire du championnat de Formule Renault 3.5. C'est toujours un moment de tension. Allez, on est sur Anthony Yanz. Vous voyez que toutes les voitures sont donc arrêtées. Simon Pirard arrive et vous voyez, ça va être tout juste pour rejoindre la grille pour les deux derniers pilotes de l'équipe Williams Martini Racing. Donc, oh, oh, que se passe-t-il? Oh là là, il y a eu une grosse mésentente. Alors ça, c'est vraiment pas bon. Qu'est-ce qui se passe là pour Simon Pirard? Visiblement un petit souci. Alors on va relancer visiblement, il y a eu un souci technique, il y a un pilote qui a disparu. Ça nous est déjà arrivé la dernière fois. Alors on va certainement relancer la procédure de 6 minutes. Ça nous était déjà arrivé la dernière fois, un petit souci de désynchronisation de serveur visiblement. Ne vous inquiétez pas. On gère le tout. Allez, on patiente et on revient d'ici quelques instants pour vivre la course d'Abu Dhabi qui prend un petit peu de retard. Donc pour ceux qui devaient aller se coucher, eh bien ne vous inquiétez pas. Si vous ne vivez pas l'ensemble de la course, elle sera proposée en VOD ce mercredi. A tout de suite donc pour le tour de formation de cette manche d'Abu Dhabi. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah.
Allez, nous sommes de retour ici pour suivre donc la course avec une nouvelle procédure de mise en grille qui a été lancée par la direction de course pour des petits soucis de serveur afin que personne ne soit lésé. On relance la procédure, donc 6 minutes 20 pour aller se mettre en grille. Et vous voyez donc, on vous le disait tout à l'heure, que ça a un petit peu changé au niveau de la luminosité et de la température ici à Abu Dhabi. Et ça risque de chuter hein, au fur et à mesure de l'épreuve, puisque la nuit et les étoiles vont venir s'installer ici à Abu Dhabi. Vous voyez donc cette sortie des stands qui est redoutée par certains pilotes, puisqu'elle est très technique. Et on rappelle que si vous mettez deux roues sur la ligne blanche sur la droite, on va vous la montrer, voilà. La petite ligne blanche ici à droite, si vous la coupez, vous recevrez une pénalité de la part de la direction de course. Et on va poursuivre donc l'évolution de cette pré-grille avec Anthony Yans, donc Polman. On rappelle la grille de départ, vous l'avez sur la gauche, donc Anthony Yans, Polman en 1:47.714 devant Kevin Lefondré. Je crois que j'ai commis une erreur tout à l'heure de chrono, avec à 2 dixièmes derrière lui, donc Kevin Lefondré, pardon. Jérémy Puff, 3ème à 7 dixièmes. Nicolas Payès, toujours sous la seconde, en 0,9 dixième de retard. Et ensuite, Emmanuel Edelera est 5ème, mais déjà à 1,4 seconde. Voilà, il va avoir quelques changements qui vont être opérés de notre côté. En effet, voilà, on a les informations qui nous arrivent. Donc, ça a bien été relancé. On rappelle que 6 pilotes sont loin sur la grille, puisque ces derniers ont subi les pénalités suite aux différents coupages et autres accidents survenus plus tôt cette saison. On peut citer notamment Alan Janssen, Olivier Vignon, Laurent Bougazzi, Jean-Michel Sanchez, Jérémy Nora et David Lespèce. Donc ces 6 pilotes-là ont été privés de séances qualificatives tout à l'heure. C'était leur sanction pour avoir abusé des limites de la piste aux épreuves précédentes. La dernière épreuve, la voici donc. Après celle-ci, il en sera terminé de la forme Renault 3.5 pour la FFSCA. Rendez-vous l'année prochaine avec un calendrier bien fourni de plus de 16 courses ou de 18 courses à vérifier. Avec jouer comme monoplace des voitures typées Formule 1 avec lors de la saison 2016 un ajout au niveau des pneumatiques et 5 composants pneumatiques vont arriver avec les ultra tendres. La gestion du carburant, la gestion de l'ERS, le DRS, tout cela fera partie des nouvelles procédures à adopter. Je suis maintenant Kevin Lefondré. Ça évolue bien, on est sous l'hôtel qui changera de couleur. On essaiera de poser quelques caméras embarquées donc. On rappelle que la course débute de jour et se terminera de nuit avec les spots et l'éclairage. On va vivre la mise en grille de Kevin Lefondré qui opte lui directement pour sa position sur la grille. Il partira donc deuxième. Bon là c'est assez hasardeux la position de certains. Et seul Anthony Yans a opté pour visiblement un retour au box et des derniers ajustements. On va peut-être voir ça, voilà il est dans le premier secteur donc ce sera... je crois, l'un des derniers à venir se placer. Laurent Bougazzi n'a pas participé à la séance qualificative et là, il est mis de manière assez bizarre sur son emplacement de grille. Rien de dramatique, hein. De toute façon, ils sont soumis à un tour de formation avant l'heure de course. Et il faudra gérer le changement de température et le changement de luminosité. Ça va pas mal bouger, il y aura de l'action, je pense, ce soir ici à Abu Dhabi. On compte sur vous pour la vivre avec nous. On vous rappelle simplement que si vous souhaitez participer à la prochaine saison, qui sera de la Formule 1, du moins des monoplaces typées Formule 1, et bien vous pouvez vous inscrire, le lien est dans la description de ce flux Twitch. Et sinon, ce sera dans le descriptif de la VOD YouTube, disponible donc mercredi à 16h. Ou jeudi, on verra en fonction de la sortie du Dream Pack 3. Là, c'est encore ça qui doit également vous être présenté sur la chaîne. Et on vous rappelle également que si ce week-end, vous êtes du côté de Paris, dans le 78, vous pourrez venir à Epone pour le salon des métiers du numérique et du jeu vidéo, où il y aura la finale de la Coupe de France F1 2015, que je commenterai
Et bien parmi les pilotes, il n'y aura pas moins que Julien Febvre, commentateur pour Canal+ de la Formule 1. Donc si vous voulez eh bien, venir nous claquer la bise et échanger quelques mots, voire déguster un grec, on ne sait pas comment la soirée va terminer. Ce sera samedi et dimanche donc à la Cap Arena. Vous trouvez toutes les informations sur le site caparena.org. Et voilà, avec toutes ces informations, vous pourrez donc nous retrouver, on vous le rappelle, à Hippo dans le 78, samedi et dimanche, et en streaming dimanche, bien entendu. Alors, il y a un petit souci de micro, on va corriger ça tout de suite, ne vous inquiétez pas, voilà, la saturation est partie, si vous avez un petit ajustement à faire. Alors, il reste 50 secondes pour aller se mettre en gris, et regardez le petit dernier, c'est Anthony Jans. Les trois pilotes qui ont utilisé les dernières secondes hein, pour venir se mettre sur la grille du côté de Williams Martini Racing. On voit une GPT Racing également au fond. Peut-être Emanuele Dallera. Il faut voir s'il va loin sur la grille. Non, donc ce n'est pas lui. Il était déjà placé. Et je pense que ça va pouvoir partir d'ici 30 secondes exactement. On va libérer les pilotes pour le tour de formation ici à Abu Dhabi. Et ensuite, ça sera l'heure de course. 15 secondes avant l'extinction du dernier feu. Avec Anthony Jans, dont vous voyez le neutre sur le volant. On va partir. On fait chauffer. Beaucoup de tension ici. On sent qu'il y a pas mal d'enjeux, même si devant au niveau du classement ça semble jouer. On va surveiller notamment Philippe Renaud. Allez, c'est parti. Anthony Jans qui démarre et tout le monde le suit derrière, enfin on espère, il y a une voiture qui a du mal de démarrer dans le fond de l'image. Donc on va faire une dernière fois une revue de la grille donc avec en première position Anthony Jans, deuxième Kevin L'Effondré qui devrait, on l'espère, faire preuve de plus de chance qu'aux épreuves précédentes. Jérémy Puff, une bonne surprise, troisième sur cette grille de départ. Opportuniste au Japon, on pensait qu'il pouvait faire la différence mais il n'avait pas tenu la distance. Nicolas Payès, quatrième, premier pilote intéressant à suivre au niveau du championnat. Emanuele Dallera, le pilote italien, cinquième. Philippe Renaud, qui joue le pied de podium au général à l'issue de cette saison, la quatrième place. Jean-Claude Loetitia, le gentleman, est septième. Cyril Renaud, huitième, après les déboires qu'il a connus en qualification. Fabrice Hugon, neuvième. Dixième, Sébastien Muret. 11e, Sébastien Garcia. La deuxième place pour l'autre pilote AGS, il s'agit de Thierry Daven, voiture numéro 40. Fabrice Piaia pour l'ADT Spirit Racing. Ensuite, Mathieu Leclerc. Simon Pirard, 15e, qui je pense était passé devant Mathieu Leclerc à vérifier. Jérémy Noira, 16e, on attend. Et vous êtes nombreux à attendre la remontée de Jérémy Noira. David L'Espèce partira 17e, Laurent Bougazzi 18e et Olivier Vignon sera bon dernier 19e sur cette grille de départ. On rappelle que 6 pilotes n'ont pas participé aux qualifications qui ont lieu tout à l'heure suite à différentes pénalités qui ont été infligées pour coupage et autres manquements au règlement au fil des dernières épreuves. On citera donc Alan Janssen, Olivier Vignon, Laurent Bougazzi, Jean-Michel Sanchez, Jérémy Noira et David L'Espèce qui sont pour la plupart en fond de grille. Allez, on arrive du côté de l'hôtel de Yas Marina, on va passer en dessous, vous le voyez. Et le virage qui tout à l'heure a failli mettre un terme à la séance qualificative d'Anthony Jans, vous l'avez entendu. Ici à droite, un peu comme Mark Webber en 2012, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et bien Anthony Jans est allé déguster les Armco sur la droite. Allez, ils arrivent maintenant aux abords du dernier droit qui conditionne la ligne droite des stands. Et ils vont venir un à un se placer donc pour cette dernière épreuve, cette ultime épreuve du championnat de Formule Renault 3.5. La fin d'une aventure, le début d'une nouvelle. Alors ça va venir se placer sur la grille. On attend un petit peu, on ne va pas tout de suite chercher
sa position et on se place parfaitement pour Anthony Jans. Vous voyez que derrière, c'est bien discipliné. On avait eu peur que ça se passe mal hier avec le championnat BMW 320TC. Mais aujourd'hui, pour la Formule Renault, c'est bien rodé également. Allez, on va partir donc dans 4 secondes maintenant, l'extinction des feux ici à Abu Dhabi. Et c'est parti donc, on roule à Abu Dhabi, dernière course de la saison et un bon départ pour Anthony Jans, mais ce n'est pas le seul. Est-ce que Kevin l'effondré va virer en tête? Non, Anthony Jans conserve le gain de sa pole position. Derrière, c'est très serré, on est à plusieurs. On va tout de suite aller voir si ça se bouscule avec Nicolas Payet. C'est le tête à queue. Oh, et un gros accident derrière. Attention au retour en piste et c'est un énorme accident ici, plusieurs voitures impliquées. On a vu Jérémy Puff à la dérive, il a emmené avec lui pas mal de pilotes. Et notamment Philippe Renaud qui était embarqué là-dedans. Et je crois que ce n'est pas le seul. Il y a, oui, sur trois roues, Jérémy Noira impliqué dans cet accrochage. Quelle erreur de la part de Jérémy Puff. Sans doute un souci. Et il va même arrêter sa voiture sur la piste. Attention, on va peut-être déjà avoir droit à un safety car. En tout cas, devant Anthony Jans est parti. Deuxième, Kevin l'effondré. Troisième, Nicolas Payès. Quatrième, Jean-Claude Laetitia. Bon départ de la part du gentleman. Cyril Renaud déjà cinquième. Thierry Daven sixième. Septième aux prises avec Simon Pirard. C'est Fabrice Hugon. Et il y a des trains avant qui ont du mal de trouver la motricité et l'adhérence, en tout cas, pas la motricité. Et vous voyez que ça passe pour tout le monde. Et donc Philippe Renaud est loin. Et une voiture en crabe pour Olivier Vignon. Et Jérémy Noira qui, sur trois roues, va tenter de ramener sa voiture réparée et continuer. Drapeau vert donc, évidemment, après tous ces déboires. Un beau départ donc d'Anthony Jans qui a su profiter. Mais quelle pagaille dans le peloton. Ah là, il y a eu du dégât. C'était extrêmement serré. Et on va vous montrer maintenant les écarts entre chaque voiture avec donc déjà une petite seconde. Attention à ce virage qui peut être traître. On l'a vu en qualification avec Olivier Vignon. Et, avec Olivier Vignon, mais en qualification avec Anthony Jans. Ça passe bien pour l'ensemble des pilotes. Et on va déjà compléter le premier tour ici à Abu Dhabi. Et oui, et Olivier Vignon a dû également abandonner. Et donc Anthony Jans qui complète le premier tour de cette manche d'Abu Dhabi. Qui a tenu toutes ses promesses avec un gros contact départ. Plusieurs voitures impliquées, déjà deux abandons. Et non des moindres parce que Jérémy Noira, lui, tente de rallier les box avec trois roues. Attention pour Anthony Jans, la voiture qui n'est pas très stable dans ce premier secteur. Et il n'en faudrait pas plus à Kevin l'effondrer pour éventuellement porter une attaque. Pas de DRS pour l'instant. Ce sera disponible à partir du prochain tour pour les pilotes. C'était très très serré. En tout cas, il y a eu du dégât dans cette dernière course. Ça fait toujours mal au cœur de voir des pilotes obligés d'abandonner à même... le premier secteur. Alors on parlait tout à l'heure à Anthony Jans après l'obtention de sa pole position. Ce dernier se disait motivé mais pas très rassuré dans les secteurs rapides avec une voiture qui manque de vitesse de pointe. C'est ce qu'on a retenu avec les pilotes de la Williams Martini Racing. On va aller voir. Oh là là, et deuxième choc contre le mur. Là il n'y a plus de roue à l'avant donc ça ne marchera plus pour Jérémy Noira qui va devoir abandonner. De nouveau un souci donc pour Jérémy Noira. Et c'est maintenant terminé. Difficile de ramener cette voiture avec trois roues. On le comprend. Derrière, ça se bat pas mal. On est dans le peloton. Allez, on va partir un petit peu avec Fabrice Hugon, 9e. Bon, et devant, il y a encore de l'explication. C'est serré avec Simon Pirard et Cyril Renaud. Ils sont à la lutte. Ils sont 5 et 6 derrière le gentleman. Oh, et Jean-Claude Laetitia qui arrive à maintenir sa voiture. Mais attention à ne pas trop bloquer les roues. Allez, on va partir maintenant avec Cyril Renaud, voilà, dans l'extracteur, dans la boîte de vitesse, pardon, de son adversaire direct. Évidemment, on améliore les chronos dans ce deuxième tour, puisque c'est le premier tour lancé auquel nous assistons. Et Jean-Claude Laetitia qui va perdre une position. On l'a vu, en bout de ligne droite, et voilà. Cyril Renaud qui vire donc 4e maintenant et ça va profiter également derrière. Est-ce que Jean-Claude Laetitia peut tenir la voiture face à Simon Pirard? Histoire de le front, là il n'y a pas beaucoup de grippe. Et c'est passé, on va aller voir peut-être derrière David Lespèce, est-ce qu'il peut en profiter? Et ça va passer. Et Thierry Daven qui va devoir s'incliner. Non, il y a contact entre les deux voitures, attention.
c'est très serré là, on est dans l'épingle du fond. Et là ça y est, il va y avoir le DRS, donc ça va changer pas mal. Allez, l'aspiration et le DRS qui va jouer. On va suivre les différents changements de position, même si l'écrasement de l'image sur cette caméra n'est pas l'idéal. Attention, Jean-Claude Loeticia qui va se faire doubler par Simon Pirard. C'est maintenant chose faite. Et derrière, ça va passer également pour David Lespèce. Voilà, qui prend le meilleur sur la dernière AGS en liste, celle de Thierry Davet, du moins aux avant-postes, puisque Philippe Renaud est maintenant relégué très très loin. La tête de course toujours, Anthony Yann, si vous voyez que le soleil commence tout doucement à disparaître ici à Abu Dhabi, on va bientôt allumer les spots pour que l'on voit bien la piste et que le contraste se fasse et que les pilotes puissent surtout voir où ils vont, parce que ces derniers n'ont pas de phare longue portée montée sur les monoplaces. Ça ne s'est vu pour l'instant que dans une BD de Michel Vaillant. Alors pourquoi pas, mais je pense pas que ce soit techniquement possible pour nous. L'écart avec Kevin Lefondré, donc deuxième à 1 seconde 2. Un petit écart de 2-3 secondes. Et Anthony Yates qui fait le meilleur tour en course. Il y a un petit décalage, c'est volontaire, c'est pour qu'en fait on ne manque pas les actions. Avec ce léger décalage, on peut voir les changements de position sur la droite de l'écran. Et au moment où ces derniers ont lieu, eh bien on switch et on peut voir l'action, comme ça on ne manque rien. C'est un petit peu plus agréable à suivre, en tout cas avec ce léger décalage. Attention, Cyril Renaud sous la menace de son petit camarade Simon Pirard. Et on s'en est bien remis hein, là de ce début de course. Avec David Lespèce, 7ème, toujours à la poursuite d'un Jean-Claude Loeticia qui tente de garder le rythme de ses adversaires directs. Mais pas facile pour le gentleman avec une voiture peut-être pas aussi performante que celle de ses opposants actuellement sur la piste. Si vous souhaitez avoir le compte rendu de tout ce qui s'est passé lors de ces week-ends de course, rendez-vous sur le forum de la FFSCA que vous pouvez découvrir dans le descriptif de cette vidéo. Il commence à faire sombre ici et ça commence à être sombre également pour Jean-Claude Loeticia qui est attaqué maintenant et ça semble passer. On va voir ça depuis la voiture de Thierry Davenne. Jean-Claude Loeticia à droite qui va céder sa place. Et c'est fait, David Lespèce est maintenant en possession de la 6ème place. Derrière ça se bagarre aussi. Alors on a les 3 abandons. Devant ça ne bouge pas. Une belle remontée de la part des pilotes du Williams Martini Racing qui partait en milieu et fin de peloton. L'attaque peut-être ici de Thierry Davenne. On joue la 7ème place. Oh, et Sébastien Muret qui aurait eu un souci. Que s'est-il passé? Peut-être une erreur pour lui, il a perdu quelques positions. Et non, il va même prendre l'avantage. Ouais, non, il va prendre surtout le plot. Et petit contact là, vous avez vu donc avec ses soucis d'affichage au classement, on peut voir ce qui s'est passé. Et ainsi, on ne manque rien de l'action en piste. Et donc Sébastien Muret qui se bat pour la 14ème place avec Fabrice Piaia et qui perd la voiture tout simplement. Et peut-être un train arrière délicat pour lui, en tout cas difficile d'évoluer pour lui avec sa voiture. Anthony Hatz, lui, n'a pas de difficulté. Mais est-ce que la seconde sera suffisante pour se défendre dans la grande ligne droite à la fin de ce premier secteur? On va le voir d'ici quelques instants. Vous avez l'écart en temps réel en haut à gauche. Et on est à 1/2 seconde. Et on est bien pour Kevin Lefondré qui revient, qui va certainement porter une attaque sur Anthony Hatz. Ça devrait passer d'ici peu de temps. En tout cas, la différence est faite avec le DRS. Est-ce que Kevin Lefondré peut faire quelque chose? Pas pour ce coup-ci. La tête est conservée. Et attention, on va aller voir Thierry Davenne qui va donc attaquer Jean-Claude Loeticia. Vous l'avez vu sur la droite, il y a eu le dépassement. Et on va maintenant le vivre en direct. Il commence à faire vraiment sombre. On attend la réaction de la direction de course pour allumer les spots, parce que là, on commence à ne plus y voir grand-chose. En tout cas, sur... nos écrans ça va, mais pour les pilotes c'est difficile. Et on vient d'assister donc au dépassement de Thierry Davenne. Attention, parce que Fabrice Hubon, maintenant 8ème, pourrait prendre la 7ème place. C'est ce qu'il va faire au bout de cette ligne droite. Bon, et on est à deux roues l'une contre l'autre. Et donc Fabrice Hubon, 8ème. Voilà, et Sébastien Garcia, 13ème, en difficulté là. Il avait placé sa voiture en plein milieu des vibreurs. Assez bizarre la réaction. Et donc Philippe Renaud, 16ème, qui espère éventuellement un safety car. Et la grosse dérive derrière de Kevin Lefondré
à la sortie du dernier droit. Peut-être déventer, en tout cas, oui, pour Philippe Renaud. Seul un Pescar pourrait sauver sa course, parce que là, étant seul à l'autre bout du circuit, difficile pour lui d'espérer quoi que ce soit. On vous rappelle, trois abandons après l'énorme accident qui a eu lieu au départ, avec la perte de contrôle de Jérémy Puff, qui, eh bien, en revenant sur le peloton, a provoqué un strike général. Alors oui, le hub est bien sûr modé. C'est réalisé par la FFSCA notamment. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site officiel. L'attaque peut-être de Kevin L'Effondré. Et non, ça ne bouge pas. Alors que derrière, il va y avoir un changement de position. Et David L'Espèce qui va dépasser. Allez, au DRS. Vous voyez, il est ouvert sur Cyril Renaud et sans vous faire rire. David L'Espèce fait un dépassement d'école. Hein. On déboîte à l'aspiration et on freine à l'intérieur. Imparable, on ne peut rien faire face à cette attaque. Et derrière, c'est assez serré tout de même avec Emmanuel Edelera aux portes du top 10 maintenant. Il va peut-être y accéder puisque Laurent Bougazzi est allé répercuter sa voiture contre un plot. Assez bizarre d'ailleurs. Et le freinage au bout de cette ligne droite très délicat ici, avec un gauche, un droite et un gauche. Deux trajectoires possibles, mais ça semble difficile. Et il fait vraiment sombre sur ce circuit. On est d'Abu Dhabi. On se demande même si l'affichage des lumières va bien fonctionner. Bon, et le gros blocage de roue devant pour Laurent Bougazzi. Il va-t-il céder sa 10e place? Attention. Garde un œil à gauche de l'écran sur les écarts. On voit qu'entre Fabrice Hugon et Thierry Daven, c'est très serré. On va aller d'ailleurs voir en caméra embarquée, voilà, avec Fabrice Hugon, la fin de ce nouveau tour. Et ouais, un petit peu d'espace tout de même avec le pilote devant lui. On va vivre en caméra embarquée. Vous allez voir le premier secteur pour voir à quel point il est difficile de tenir ses monoplaces dans les deux enchaînements. La grande courbe à gauche et le changement de cap vers la droite. Ici donc. Et c'est, voilà, au moment où, voilà, la voiture a tourné vers la droite que Jérémy Puff a perdu le train arrière de sa monoplace, avec pour conséquence l'abandon de trois pilotes. Olivier Vignon et Jérémy Noira passant par là en plein milieu du peloton, impossible d'éviter la collision. Et le pilote de l'équipe 15 qui s'en sort bien. On va profiter du DRS d'ici peu. Voilà, c'est fermé. Peut-être pas de quoi attaquer, mais de quoi se rapprocher peut-être dans un premier temps, avant peut-être une attaque pour la seconde ligne droite. On se montre dans les rétroviseurs pour Fabrice Hugon. Oh, et le contact, le petit push, attention, que ça ne provoque pas trop de dégâts. Alors c'est toléré en touring car, mais là en monoplace, il faudrait voir à ne pas répéter de trop ces manœuvres, parce que les voitures risquent de ne pas apprécier. On fait un tour du côté de David L'Espèce, 5e de cette épreuve, qui est bien installé maintenant à cette 5e place devant Cyril Renaud, relégué à 3 secondes. Par contre, devant, il y a une explication assez intéressante avec Kevin L'Effondré, qui se maintient dans la seconde, Anthony Yann, sans pouvoir forcément porter d'attaque sur le leader, qui est en délicatesse. On l'avait vu dans les différents secteurs. Allez, on passe une nouvelle fois devant nous après un quart d'heure de course presque. Course d'endurance ce soir, c'est toujours 60 minutes d'épreuve, mais ça risque d'être tendu pour l'ensemble des pilotes pour tenir le rythme sur cette piste d'Abu Dhabi et sur cette piste constamment en évolution. Ah, alors qu'on accueille Jérémy Noira sur le chat, le malheureux pilote qui a subi l'erreur de Jérémy Puff. Donc Trissou 65 sur le chat. Et attention, parce que là il y a une grosse menace pour Kevin L'Effondré, alors que Laurent Bougazzi, 10e, va se faire attaquer. On va voir ça. Va se faire dépasser visiblement par Emmanuele Edelera, qui fait son entrée dans le top 10. On déboîte avec l'aide du DRS. Bonne sortie, je pense, d'Edelera
qui, eh bien voilà, des boîtes sans tout faire rire pour en profiter. Attention au changement de ligne de Laurent Bougazzi qui ne peut se défendre. En tout cas, belle manœuvre de la part du pilote italien devant. Ça y est, on a allumé les spots et on voit un petit peu plus clair que tout à l'heure où il faisait très sombre et les reflets des différents spots éclairent la piste donc. C'est pas fou, mais voilà, on va le voir en caméra embarquée avec Anthony Hatz. Il fait nuit et la piste est éclairée. Ce n'est pas transcendant, mais les spots sont bien allumés, rassurez-vous. Les pilotes voient très bien ce qui se passe. Oh, et l'erreur, attention l'erreur Anthony Hatz. Est-ce que les pneus seraient déjà en train de flancher? Oh, derrière la grosse dérive également pour Nicolas Payès, mais on reste sur la bagarre en tête de course. Anthony Hatz en délicatesse, attention. Et Nicolas Payès, lui, qui glissait beaucoup. On va rester avec Kevin Lefondré pour vivre éventuellement une attaque en bout de ligne droite avec l'aide du DRS, qui, on vous le rappelle, est à disposition des pilotes si ces derniers sont à moins d'une seconde de la voiture qui les précède. Allez, le passage au niveau de l'épingle du fond, comme on dit chez nous. Ça ne sera pas suffisant pour Kevin, du moins cette fois-ci. Et on est au bout du moteur, hein, là, pour notre ami Kevin Lefondré. On va peut-être vous faire vivre d'ici quelques instants un tour complet embarqué avec le leader, pour vous laisser profiter du son de ces V8s Hightech, hein, qui produisent 520 chevaux. Ah, drapeau jaune dans le premier secteur. Serait-ce de qui s'agit-il? Sébastien Muret, peut-être. Et oui, Sébastien Muret, qui est allé tout seul comme un grand à la faute. La voiture numéro 99 qui est allé à la faute, mais il peut repartir. On va voir la bataille ici avec Fabrice Hugon, qui va sans doute passer en bout de ligne droite. Allez, ça déboîte et de nouveau un beau dépassement avec l'aide du DRS et la voiture numéro 0. Eh bien, se hisse maintenant au 7ème rang. Belle remontée de la part de Fabrice Hugon, même si là derrière c'est toujours menaçant. Allez, avec Thierry Daven, on va revenir peut-être un peu plus au direct. Voilà, on est un peu moins en décalé, ça devrait être un peu plus raccord en tout cas avec ce qui se passe. Comme ça, vous allez et un petit écart qui s'est agrandi à 1 seconde 4 pour Kevin Lefondré. Attention. Et visiblement, oui, du côté de Jérémy Nora, on attend l'année prochaine avec la Formule 1. Effectivement. Ouais, visiblement, ce sont des ampoules basse consommation. Alors, ce serait bien que Jérémy nous dit si il y a changement d'affichage qu'on verrait, ce que lui a connu pendant les entraînements. Et là, on a un drapeau jaune dans le deuxième secteur. Que s'est-il passé? Oui, une sortie pour Fabrice Hugon, c'est dommage. Est-ce qu'il y a eu un souci au dépassement pour Fabrice Hugon? Puisque c'est à l'épingle du fond que ça s'est passé. Et il repart 12e, c'est dommage. Alors que Jean-Claude Loeticia, visiblement, et Emmanuel Edelera sont à l'explication à la bagarre. Oh, et ça va partir en tête à queue. Laurent Bougazzi, 10e, opportuniste, peut-il prendre la 9e place? Ça semble fait. Laurent Bougazzi qui va doubler, voilà. Le dépassement a lieu à l'instant. Le pilote pour l'équipe des Galactiques qui prend la 9e place. Attention, ça n'est pas terminé dans ces enchaînements. On peut toujours perdre la voiture. Jean-Claude Loeticia qui continue de glisser petit à petit au niveau du classement. Lui qui avait réalisé une belle qualification, il était à un moment donné 4e et il est maintenant 10e de cette épreuve qui ne compte plus que 16 pilotes. On vous le rappelle, 3 pilotes ont été victimes d'un gros crash en entame d'épreuve. Allez, on va vous faire vivre ce tour. On vous le promet depuis longtemps, en caméra embarquée avec Anthony Hatz. Montez le son les amis et profitez.
Et voilà, c'était un tour en caméra embarquée avec le leader, donc Anthony Yans. On va revenir à ce qui s'est passé pendant ce tour embarqué. Vous avez vu deux changements de position. Emanuele Dallera s'est emparé de la 7ème place. Le voici, il vient de porter l'attaque sur Thierry Daven. Et également derrière Laurent Bougazzi qui en a profité, lui, pour passer Jean-Claude Loeticia. Fabrice Hugon est 11ème et Mathieu Leclerc 12ème qui a sans doute eu un problème puisqu'il a glissé au classement. Alors que entre Fabrice Piaia 14ème et Sébastien Garcia 13ème, c'est la foire d'empoigne ici. On est dans le 3ème secteur. On sent Fabrice Piaia plus à l'aise avec sa voiture. Oui, il bataille pas mal avec son volant devant. Sébastien Garcia, le 2ème pilote du GPT Racing. Tête de course, l'écart qui commence à se façonner pour Anthony Yans devant donc Kevin Leffondré qui est toujours sous la menace de la deuxième voiture du Team Spirit, celle de Nicolas Payès. Simon Pirard quatrième donc. Ah, et Emanuele Dallera qui va visiblement chuter. Et oui, Thierry Daven qui porte l'attaque ici. Petit contact avec le museau de la voiture du GPT Racing. Mais ça passe, jusque là ça reste tout à fait propre. 10ème place pour Jean-Claude Loeticia qui tente de tenir Laurent Bougazzi le plus proche de lui. Se trouvant dans les rétroviseurs avec les petits écarts de trajectoire nécessaires. Et ça passe bien, très difficile de tenir ces voitures de cette section-ci. Mais ils y parviennent très bien. Bon, et c'est très serré avec Emanuele Dallera. Visiblement, on va aller voir ça. Le pilote actuellement 8ème, voilà. Petite dispute ici entre différents pilotes. Devant la voiture blanche, c'est Thierry Daven, 7ème. Emanuele Dallera ici est 8ème. Et on sent un petit peu plus large que les autres pour le pilote italien. Avec un petit accrochage de la roue avant gauche le long du vibreur, c'était délicat. Et vous voyez donc les pilotes qui continuent d'évoluer en petits groupes. C'est plutôt calme. Même si ça risque d'être serré, je crois, derrière. Avec de nouveau Jean-Claude Loeticia. Attention, drapeau jaune dans le troisième secteur. Que s'est-il passé? Oh oui, et c'est Sébastien Muret. Et c'est l'abandon. Alors a-t-il... Il ne semble pas avoir tapé. Donc certainement que la voiture a calé. Et Philippe Renaud n'était pas loin, je crois. Et là, c'est Fabrice Piaia qui n'est pas loin de dépasser son adversaire direct, Sébastien Garcia. Oui, il va trop large, là, Fabrice Piaia. Peut-être dévanté. Alors que devant, nouvel échange de position avec oui, la bagarre qui continue entre Jean-Claude Loeticia. Bien décidé à récupérer sa 9ème place. C'est maintenant chose faite au détriment de Laurent Bougazzi. Et ce n'est peut-être pas terminé. Et Laurent Bougazzi va repasser. Oh, autoritaire là, le dépassement avec deux roues au-delà de la limite de la piste, c'est toléré. Et à l'intérieur, ça passe. Et il parvient à la tenir. Félicitations. Beau dépassement de la part. Ah non, et ça va pas suffire par contre. Est-ce que Jean-Claude Loeticia peut repasser? Caméra embarquée avec lui peut-être. Reste à l'affût du côté de Jean-Claude Loeticia. Ouais, beaucoup de survirages dans les freinages. Les répartitions de freins sont assez délicates avec le changement de conditions de piste. Alors Fabrice Piaia va visiblement vivre des instants difficiles. Et Sébastien Garcia qui a du mal à trouver la motricité, visiblement. Et Philippe Renaud revient tout de même, hein, difficilement, mais il tient le rythme, on ne sait jamais, un safety car est toujours probable hein, ici. Vous voyez que devant, les deux voitures du Team Spirit Racing eh bien, sont bien à l'abri. Elles peuvent aller chercher Anthony Yans, qui ne survole pas cette épreuve, comme ça a pu être le cas lors des manches précédentes. Vous voyez le reste du peloton.
ballon. Allez, Jean-Claude Loeticia peut-il profiter de l'aide du DRS dans cette grande ligne droite pour récupérer la 9e place qui était sienne tout à l'heure. Jean-Claude Loeticia qui va porter l'attaque sur Laurent Bougasi qui protège l'intérieur. Il va devoir aller à droite. Et il y va. Et va-t-il la dépasser par l'extérieur? Et c'est maintenant fait. Belle manœuvre de la part de Jean-Claude Loeticia qui se loupe. Et qui va percuter. Voilà le contact en sortie de virage. Quel dommage. Le contact de Jean-Claude Loeticia avec Laurent Bougasi. Qui ne semble pas avoir eu de dégâts. Et maintenant il faut retrouver la bonne, le bon sens de la marche. Et c'était difficile là, ce qu'il nous a fait. Alors là, il y a une petite explication toujours entre Fabrice Piaia et Sébastien Garcia, le pilote de l'ADT Spirit Racing qui résiste toujours au pilote du GPT Racing. Alors qu'on est proche de la mi-course avec 33 minutes encore au chrono officiel de cette épreuve d'Abu Dhabi. Je vous rappelle, la dernière de l'histoire de ce championnat de Formule Renault 3.5. Il y aura l'année prochaine la Formule 1 qui eh bien, arrivera comme il se doit. Avec l'adaptation de la réglementation 2016. Voilà, au niveau des écarts devant, ça ne bouge pas. Vous avez les écarts sur la gauche. On va aller jeter un coup d'œil au niveau des chronos. Pas d'arrêt au stand, hormis pour Philippe Renault qui avait subi des dégâts. Vous voyez qu'il y a déjà des pilotes à 2 tours et à 1 tour au niveau des vitesses de pointe. Vous voyez, Anthony Yance n'est qu'à 266, il n'a pas encore eu l'obtention du DRS, ce qui crée cette différence avec un Kevin Desfondré qui est quand même 14 km/h plus rapide. Au niveau des tours en course, eh bien, le plus rapide, eh bien, c'est non pas Anthony Yance de ce que je vois, mais bien David Lespès 5e en 1.51.227 pour 2 petits millièmes. Ensuite vient Anthony Yance. Et Kevin Lefondré. Donc pas mal d'informations tout de même disponibles. On continue de regarder les écarts visuellement. Emmanuel Edelera, 8e à l'assaut de Thierry Daven. C'est serré. Oh, Thierry Daven qui part un peu au large dans cette séquence de gauche-droite-gauche. Gauche très très technique. Ça ne paraît pas comme ça, mais avec ces monoplaces, c'est un vrai challenge de passer ces vibreurs qui correspondent vraiment à des murs à escalader. Je vous rappelle que si vous avez des questions sur le chat, eh bien, bien sûr, vous pouvez les poser. Par exemple, pourquoi remplacer ce championnat par la Formule 1? Parce que ça fait eh bien, un petit moment que la Formule 1 3.5 est d'application chez nous et que pour se démarquer, eh bien, l'année prochaine, nous réinstaurons la Formule 1 pour des voitures plus puissantes avec un autre challenge technique avec le DRS, l'ERS, la gestion du carburant bien sûr et les nouveaux composants pneumatiques puisque le pneu ultra tendre arrivera de toute façon comme dans le championnat réel. Donc, voilà, on va essayer de voir ce que cela donne. On vous donne déjà rendez-vous pour la première manche. On va essayer d'avoir quelques mots de la part d'Anthony Yance en fin d'épreuve concernant cette nouvelle discipline qui est à l'étude depuis longtemps par la FFSCA. Alors on a un pilote qui visiblement est allé, et voilà, taper. Pas de dégâts, mais Sébastien Garcia est allé goûter au mur. Alors Anthony Yance tout à l'heure est allé essayer le côté droit, et cette fois-ci Sébastien Garcia a opté pour le côté gauche. Attention, Emanuele Dellera à la bagarre avec Thierry Daven, et ça va passer avec l'aide du DRS. Le pilote italien qui continue de se battre et la 7ème place pour lui maintenant. Mais devant les écarts assez importants, 4 secondes pour Kevin Lefondré. Nicolas Payès 3ème, il est en train de revenir tout doucement sur son équipier. Il faut bien monter à 19 secondes pour retrouver Simon Pirard. Alors a-t-on un arrêt? En tout cas, il y a eu un changement derrière au niveau du classement. Et oui, voilà. Oh, et deux secteurs sont sous drapeau jaune. En tout cas, le troisième maintenant. Que s'est-il passé? Ah, et bien voilà. Thierry Daven est allé de nouveau se faire harponner. Ou est-il allé tout seul comme un grand à la faute?
et il glisse tout doucement au classement. Cette voiture a-t-elle calé? Visiblement, on tente de redémarrer. Et non, c'est terminé pour Thierry Daven qui rend les armes. C'est dommage. C'est dommage pour Thierry Daven qui s'en sortait bien jusque-là. Attention, il y a de nouveaux drapeaux jaunes dans le troisième secteur. Que se passe-t-il? Est-ce uniquement dû au débris? Alors que ça rentre, je crois. Oui, et Jean-Claude Loéticia opte pour la voie des stands. Était-ce prévu? On va voir. Et bien voilà, Fabrice Hougon, lui, est également en tête à queue dans le dernier droit. Attention, on commence à enchaîner les petites approximations. Serait-ce un souci dû aux pneumatiques? Rien n'est moins sûr. En tout cas, c'était très délicat là, ce qui s'est passé. Nicolas Payès qui eh bien, est en train de revenir tout doucement sur son petit camarade, son coéquipier qui tient la deuxième place. Kevin à l'effondrer. Au niveau des écarts, c'est en 12e place que la lutte a lieu. Précisément pour la 11-12, c'est 13e place. Fabrice Piaia. Et vous avez à l'écran Mathieu Leclerc sous la menace de Philippe Renaud. Après un premier tour difficile hein, pour Philippe Renaud, envoyé dans le mur. Et oui, on souligne le fait qu'Anthony Yann s'est de nouveau devant. Et Mathieu Leclerc qui va trouver l'ouverture en bout de ligne droite visiblement. Sébastien Garcia toujours au box. Allez, ça va déboîter, attention au double changement de ligne, pas plus de deux changements autorisés sur une même ligne droite. Et ça passe évidemment pour Mathieu Leclerc. Est-ce que derrière on va en profiter? Non. Ah, quoique, on va aller voir ça. Et non, Philippe Renaud n'a pas pu en profiter. Mais il y a maintenant le DRS, ça devrait passer pour Philippe Renaud. Ça devrait passer pour Philippe Renaud. On a passé la mi-épreuve ici à Abu Dhabi avec 27 minutes encore au compteur. Et Philippe Renaud qui devrait doubler Mathieu Leclerc. Peut-être une erreur pour Mathieu Leclerc. On va voir ça. Peut-être au freinage. Et oui, voilà, il a freiné tout droit Mathieu Leclerc. Et ça n'a pas suffi à garder sa position. Est-ce que Jean-Claude Loéticia va en profiter? Jean-Claude Loéticia, 9e. Où est-il? Le voici. Lui, il passe devant les box. Est-ce que c'est au stand? En tout cas, on va vérifier ça dans quelques instants. Excusez-moi, on est en train de vérifier pas mal de choses. Oui, voilà, Fabrice Hougon avait opté pour la voie des stands. Cette sortie des stands, donc, assez particulière, vous l'avez vu. Il va repartir en piste. Il est 12e pour l'instant. Là, quelques pilotes qui passent, voilà, sur la droite. Et il revient dans la bagarre pour cette fameuse 10. On est 12e place et il rebondit sur le vibreur. Bon, ça a dû être bouillant là sous le casque de Fabrice Hugon après sa sortie des box. Il a failli rebondir sur le vibreur, ça aurait été bien mal à propos. C'est serré tout de même avec un top 5 vraiment indécis. Emmanuel Edelera ici. Bon, et devant le. Je crois qu'on a Sébastien Garcia avec son tour de retard. C'est le second pilote de la GPN Racing. Les drapeaux bleus, vous avez vu les lumières sur la droite de votre écran. Il va falloir s'écarter. Second drapeau bleu. Troisième drapeau bleu. Il va falloir réagir rapidement. Et là, il va devoir s'écarter. Et non, il maintient assez intéressant là ce que fait notre ami Sébastien Garcia qui ne s'écarte pas. Pourtant il pleut de drapeaux bleus, vous voyez en bord de piste, les lumières s'allument. Et en plus on les voit bien, oh la grosse dérive, il va perdre sa voiture et voilà. Et il va aller même taper, et est-ce que Emmanuel Edelera, oui c'est un aileron avant là pour le pilote du GPT Racing. Et vous voyez que ben, ça ne va plus très droit. Et Emmanuel Edelera qui va passer 6ème visiblement, on va vivre ça en caméra embarquée avec le pilote italien. Elle attaque au DRS sur Cyril Renaud. À l'extérieur, original, ici. Emmanuel Edelera qui est passé donc en 6e position maintenant. Attention, Nicolas Payès qui, de nouveau,
a réduit l'écart avec son équipier. On joue le podium ici. Vous avez actuellement les deuxièmes et troisièmes de l'épreuve à l'écran. Vous êtes sur l'arceau de Nicolas Payès. Et Anthony Hans qui finalement parvient à mettre ses 3 secondes d'écart. Il le protège des actions DRS que pourrait tenter Kevin Effondré. Par contre, Kevin Effondré lui est sous la menace d'un Nicolas Payès bien décidé à aller chercher cette deuxième place qu'il peut tout à fait attraper. Vous voyez dans le fin fond d'image la monoplace blanche, voilà, d'Anthony Hans. C'est serré devant, c'est assez intéressant. Et Fabrice Piaia est maintenant également tombé un tour derrière les leaders. On va vivre la caméra embarquer toute cette ligne droite au niveau des écarts. C'est serré pour Kevin Effondré et Nicolas Payès. La paillasse, oui, et il perd la voiture. Il perd la voiture, l'ami Kevin Effondré. Et Nicolas Payès va sans doute passer. On l'a vu à droite, et ça risque d'être serré à l'aspiration ici. Il va chercher l'extérieur. C'était très serré entre les deux équipiers. Roue contre roue au freinage. Et donc Nicolas Payès retrouve sa troisième place. L'explication est musclée. Il y a eu échange de roues au freinage précédent. On va rester sur cette bagarre assez intense. Nicolas Payès, troisième toujours. Et il a du mal de tenir sa voiture, Kevin Effondré. Éventuellement un passage au box pour Kevin Effondré. On va voir en tout cas. On reste attentif à ce qui se passe ici. Passera pas, c'est très serré également derrière pour la cinquième place. Vous voyez donc David Lespès et sa voiture du Blue Sky Racing à la poursuite de Simon Pirard qui se remet bien après des qualifications difficiles. Il y a un contact avec le mur et David Lespès en bon gros survirage. Emmanuel Edelera poursuivi par Cyril Renault. Laurent Mugazzi 8e. Jean-Claude Leticia 9e, un petit peu en perdition. Et attention, Emmanuel Edelera au ralenti. Et Cyril Renault devrait peut-être trouver l'ouverture sur le pilote italien. Peut-être des soucis. Et ça rentre au box pour Emmanuel Edelera. Ce qui laisse le champ libre à Cyril Renault. Allez, on va retourner en tête de course parce que voilà, il y a bagarre. Et Nicolas Payès va-t-il de nouveau dépasser son équipier, mais maintenir sa deuxième place, ce sera, je pense, le plus difficile pour lui. Et drapeau jaune dans le troisième secteur. On y arrive justement. L'attaque à l'extérieur en caméra embarquée avec Nicolas Payès. Le bon freinage, mais un peu tardif de la part de Kevin Effondré. C'est une superbe lutte alors que derrière Emmanuel Edelera continue de glisser au classement. Sûrement un souci pour le pilote italien actuellement au box. Ça dure longtemps en fait, l'arrêt d'Emmanuel Edelera, c'est difficile à analyser et à comprendre. Le gros blocage de roue devant pour Kevin Effondré alors que le 21e tour vient d'être comblé et complété par Anthony Hans. Vous avez les écarts en bas de notre écran. Et c'est très très serré. Allez, l'aspiration, peut-être le dépassement. Et non, ça ne passe pas. On va marquer une courte pause. On se retrouve d'ici quelques instants pour vivre les dernières 20 minutes de cette épreuve ici à Abu Dhabi. A tout de suite. Voilà, navré pour cette petite pause, un petit souci technique à régler de notre côté. Et vous voyez donc la bagarre avec Nicolas Payès qui va chercher l'intérieur cette fois-ci sur son équipier. Et ça passe, Kevin Effondré est battu, mais contact entre les deux équipiers. Attention, c'est un jeu très dangereux auquel se livrent les deux pilotes de l'équipe Team Spirit Racing.
Et ça y est, Nicolas Payès maintenant est bien installé, second, mais tout ça profite à cet homme, Anthony Yates, qui continue d'évoluer en tête. Il a été inquiété à un certain moment, mais maintenant ça semble réglé. Et Simon Pirard, toujours sous la menace de David L'Espèce, 5e. 6e, Cyril Renault. Beau retournement de situation pour l'équipe Williams Martini Racing, qui partait avec deux pilotes bien mal engagés après les qualifications et les pénalités. Laurent Bougazzi, 7e, pas mal pour Laurent Bougazzi. Et là, Emmanuel Edelera qui est de nouveau à l'explication avec Jean-Claude Loeticia. Les deux pilotes ont, je crois, déjà stoppé une fois. Allez, le DRS, là, devrait faire son office pour Emmanuel Edelera. Le dépassement qui s'effectue sous vos yeux. Et derrière, on a Fabrice Hugon qui est également en train de dépasser. Oui, c'est très chaud, là, avec deux voitures côte à côte dans la ligne droite du premier secteur. Alors, qui va faire les freins? Et Mathieu Leclerc semble devant. Fabrice Hugon à l'extérieur. Et non, ça ne peut pas passer pour Hugon, qui cède donc sa 11e place à Mathieu Leclerc. Et donc les abandons, donc Thierry Davenne, Sébastien Muret, Jérémy Noira, Olivier Vignon et Jérémy Puff, les pilotes impliqués dans les accidents du départ. Retour à la bagarre qui est assez intense avec la 2e place en jeu et les deux pilotes de l'équipe Team Spirit Racing. Oh, il y a du changement derrière. Et oui, il y a du changement. C'est Simon Pirard qui est à la lutte avec David L'Espèce, qui est passé, je crois. Et oui, David L'Espèce maintenant détenteur de la 4e place. Mais pour combien de temps? On va vivre ça en caméra embarquée avec Simon Pirard. Il se présente à l'extérieur. Est-ce qu'il peut faire les freins? Et non, Simon Pirard reste devant pour une courte tête. Et c'est difficile, hein. CS, vraiment un point compliqué. Toujours à la lutte, on va revenir devant. La 2e place en jeu. Kevin Lefondré 3e, Nicolas Payès 2e. Et c'est serré également avec Jean-Claude Loeticia 9e, que l'on voit ici dans la zone de DRS, en train de revenir sur Emmanuel Edelera. En proie à des soucis avec son train arrière depuis quelques tours, le pilote italien sur la voiture de GPT Racing au premier plan a du mal d'évoluer dans cette seconde partie de course. Alors qu'on va bientôt atteindre le dernier quart d'heure de cette ultime épreuve de l'histoire de la Formule Renault 3.5 by FFSCA. Place à la Formule 1 l'année prochaine. On vous dévoilera tout ce soir le logo officiel et l'habillage pour 2016. Vous allez découvrir tout ça en fin d'épreuve si vous êtes sage, bien entendu. Récompense à votre fidélité légendaire maintenant. Et Jean-Claude Loeticia qui pourrait aller chercher Emmanuel Edelera. Il a le rythme, le pilote de la LMO Racing. Et ça bloque un petit peu les roues pour Edelera. On garde un oeil sur la gauche de l'écran et le classement avec les écarts pour voir si Nicolas Payès et Kevin Lefondré s'échangent leur position. Et ça semble bien parti, on va aller voir ça. Ils sont dans les S du deuxième secteur. Difficile de se placer. Effondré, toujours 3e derrière Nicolas Payès. La 5e place maintenant, et là c'est un petit peu plus serré avec Simon Pirard qui revient toujours dans ce deuxième secteur sur David L'Espèce, mais ce dernier parvient à se protéger dans le premier secteur. Oui, ça bloque les roues et c'est pas mal cette petite lutte. Essayer de vivre ça, voilà, depuis l'arrière de la voiture de David L'Espèce avec un drapeau jaune dans le premier secteur. Qui est en difficulté. Et le drapeau qui s'est enlevé, donc certainement une petite approximation d'un pilote en sortie de stand. Et voilà donc l'aileron arrière de la voiture de David L'Espèce avec la Williams Martini Racing qui se présente pas loin. Il a une seconde là. Même pas, on est à 7 dixièmes d'écart entre les deux pilotes. Ça paraît un petit peu plus visuellement toujours intéressant. Et
vous voyez les écarts aussi en temps réel hein, qui s'affichent dans le bandeau déroulant en haut avec donc Anthony Yates, 24 tours couverts ici à Abu Dhabi. Et on est dans le dernier quart d'heure. Va-t-il y avoir attaque au DRS? On va vivre ça depuis les droits arrière de la voiture de David Lespès. Alors que devant pour Nicolas Payet, ça semble difficile de gérer aussi les écarts. Et c'est trop loin dans cette première ligne droite pour attaquer. Ouais, gros freinage là de la part du pilote de Williams Martin Racing. Et s'il sort bien, ça peut faire la différence. Le pilote de la voiture numéro 19 peut-il attaquer Simon Pirard? Va-t-il trouver l'ouverture avec l'aide du DRS ici? Va-t-il choisir la gauche ou la droite? Il part à gauche. Il se porte à hauteur de David Lespès et le dépasse. Quatrième place donc maintenant pour le compte de la voiture numéro 19, Simon Pirard. On va revivre la lutte en tête directement avec voilà, Kevin Lefondré, troisième de cette épreuve. Il a été longtemps détenteur de la deuxième place, mais ça risque de bouger pas mal dans ces derniers tours. On joue le all-in hein, pour beaucoup de pilotes. Ce résultat peut changer deux voire trois positions au classement général avec l'absence de certains et les abandons des différents pilotes. Hein, deuxième secteur, toujours sous drapeau jaune. Que se passe-t-il dans ce deuxième secteur? Allons y jeter un coup d'œil, et bien voilà. Et ça a stoppé pour Sébastien Garcia. Nouvel abandon. Malheureusement, Sébastien Garcia qui rejoint la liste déjà trop longue des pilotes ayant abandonné ce soir. Assez dommage pour lui, il avait fait une belle course. Emmanuel Edelera, 8ème, toujours à la poursuite de Laurent Bougasi. Ces deux-là ne se sont pas lâchés pendant toute la durée de cette épreuve. Va-t-on avoir droit à un petit changement de la part de nos deux amis, Frôle les plots. Alors, la rediffusion sera disponible, si tout va bien, mercredi ou jeudi, selon la sortie du Dream Pack 3, Assetto Corsa. Restez attentifs, demain vous pourrez retrouver déjà mardi la rediffusion de la manche de BMW 320 TC Cup. Et vous pourrez ensuite retrouver le lendemain ou le surlendemain cette épreuve en VOD sur YouTube. La chaîne YouTube est disponible dans la description. Un drapeau jaune dans le troisième secteur, attention parce qu'on est en train de les enchaîner. Ah oui, la sortie et l'accident pour Kevin Lefondré, mais c'est pas possible. De nouveau Kevin Lefondré est victime d'un souci technique. Catastrophe. Alors pour l'instant il est 3ème, il a de l'avance sur Simon Pirard. Alors va-t-on retrouver deux pilotes du Williams Martini Racing sur le podium? Attention, on est en bout de saison, la fatigue se fait ressentir et on est en bout d'épreuve, il reste un peu plus de 10 minutes ici. Et Kevin Lefondré ne peut de toute façon pas terminer l'épreuve sans museau, donc ça va être l'option stand pour lui. Ah là là, c'est dommage, de nouveau Kevin Lefondré, victime de malchance. On n'a pas vu ce qui s'était passé, peut-être un contact avec son équipier. Et voilà, il va devoir opter pour la voie des stands et remettre un museau. Et peut-être des gommes neuves. Et voilà, c'est Pirard qui, par la même occasion, récupère la troisième place. La quatrième pour David Lespès. Attention, le podium est loin d'être joué. Puisque Simon Pirard et David Lespès eh bien, se collent les basques depuis plusieurs dizaines de minutes maintenant. Et il pourrait y avoir changement de position. On va rester en caméra embarquée avec... David Lespès, beaucoup plus à l'aise dans les enchaînements. On voit que ça balade pas mal hein, pour la voiture de Simon Pirard. Et Emmanuel Edelera qui passe Laurent Bougasi. Et Laurent Bougasi qui repasse Emmanuel Edelera. Ces deux-là sont également en pleine bagarre. Allez, le DRS. Oh, attention, et la relance un peu trop tôt. En attendant, ça va vouloir remettre un peu rapidement la sauce au bout de cette épingle. Passez-moi l'expression. Mais là. C'était un petit peu trop. Nouveau drapeau jaune dans le deuxième secteur. Attention, il ne faudrait pas que cette course devienne une course à élimination dans les dernières minutes. Et le drapeau jaune se maintient. Qui est allé tâter le mur? Et c'est Fabrice Hugon qui en remet une petite couche en repartant. Fabrice Hugon est allé se déposer contre les Armco. Peut-être une relance également un petit peu trop tôt pour lui. Oh là là, Emmanuel Edelera dans une bagarre somptueuse avec Laurent Bougasi. Il s'échange des positions depuis plusieurs tours. Attention, il va falloir fermer la porte là. Et il est allé au large. Et ça va permettre, voilà, Laurent Bougasi de repasser. Mais ce n'est pas terminé. La zone DRS est au loin. Et oui, c'est vraiment une course à élimination, comme on dit sur le chat. Et Mathieu Leclerc qui passe Fabrice Hugon. Évidemment, ce dernier a dû
choisir de repasser par les stands et ça offre la 10e place donc à Philippe Renaud, le malheureux Philippe Renaud. Oh, il est bien, il est très bien Emmanuel Edelera là. S'il ressort bien et c'est ce qu'il fait. Et ça peut passer Laurent Bougazi sous la menace d'Emmanuel Edelera. Le changement de position bientôt à voir derrière Jean-Claude Laetitia s'il peut en profiter aussi. Non, il est un peu loin. Et changement de position, Laurent Bougazi tombe maintenant à la 7e place et peut-être même la 8e si Jean-Claude Laetitia s'en sort bien. On va aller voir ça avec Jean-Claude Laetitia, voilà. Et on est dans les 9 dernières minutes de cette épreuve. Et attention parce que pour la 3e place c'est très serré. On y revient rapidement avec Simon Pirard. 3e avec donc deux voitures de l'équipe Williams Martini Racing potentiellement sur le podium. Mais est-ce que ça va suffire? Est-ce que les 8 minutes vont être tenues par Simon Pirard? On le sait, solide en défense. C'est un très bon pilote quand il est chassé. La voiture de l'équipe Blue Sky se présente au freinage. Ça risque d'être limite. Non, mais ça oblige Simon Pirard à bloquer les roues. Et on relance une nouvelle fois la cavalerie dans cette 2e zone DRS. C'est David Lespèce qui va passer en bout de ligne droite. L'attaque de David Lespèce sur Simon Pirard à l'extérieur. Le pilote du Blue Sky Racing qui choisit d'attaquer par la droite. Il va refermer. Attention au contact de Simon Pirard qui perd le train avant de sa voiture. Légèrement aidé par David Lespèce. Il y a eu une petite touchette entre les deux hommes. Mais voilà, le podium n'est pas terminé. Devant Anthony Hans est en tête à moins de 8 minutes de l'arrivée. 7 secondes devant Nicolas Payès, mais la 3e place, ils sont dans un mouchoir de poche. Et qui remportera cette 3e marche du podium? On va suivre ça avec attention. Derrière, c'est toujours très serré également entre Laurent Bougazi, que voici, et Emmanuel Edelera devant lui. Et juste derrière, on va le voir, voilà, en caméra embarquée, Jean-Claude Laetitia, le gentleman, qui conserve un top 10 tout à fait mérité après sa performance lors de la séance qualificative. Et 3 pilotes, là, en moins d'une seconde. 1 minute 34, 1 minute 35, 1 minute 36 et 1 minute 37. Philippe Renaud n'est pas long, on va voir s'il est déjà... Voilà, vous avez les écarts, du moins visuels maintenant. Ça, c'est au premier qui fera la faute, hein, que reviendra l'erreur. On va revenir sur la lutte pour la 3e place. Et David Lespèce semble maintenant avoir bien fait son trou face à Simon Pirard. La cause semble entendue pour Simon Pirard, à moins que ce dernier parvienne à revenir, mais on voit mal comment. Et de nouveau les échanges de positions avec la bagarre terrible. Laurent Bougazi attaqué par Emmanuel Edelera. Oh, et on est au contact limite là. C'était très beau comme manœuvre à l'extérieur, dommage qu'on n'ait pas vu le début de cette dernière. Et il en a plein les rétroviseurs et petit contact, attention à ne pas aller se déposer contre les Armco comme l'a fait Anthony Hans sans qualification. Ça a failli lui coûter la pole. Laurent Bougazi qui fait le travail pour se défendre avec derrière deux pilotes plus que motivés à aller le chercher. On va vivre ça voilà avec Jean-Claude Laetitia, 3e homme de cette lutte. Ils sont 7, 8 et 9e. Et à un peu plus de 5 minutes de la fin du temps réglementaire de cette... dernière manche du championnat, bien malin qui pourra nous donner le nom du troisième pilote sur le podium et des 7, 8 et 9e. On ferait très très tard là pour Jean-Claude Laetitia. On prend tous les risques, quitte à pas marquer de points. De toute façon, maintenant on sait à quoi s'en tenir au championnat avec le titre pour Anthony Hans. Oh là là, on va chercher l'aspiration pour les trois pilotes. Attention, pas plus de deux changements de ligne en ligne droite. Le DRS pour Emmanuel Edelera et pour Jean-Claude Laetitia. Ça va être très dur à vivre pour Laurent Bougazi, dépassé maintenant par le pilote italien. L'attaque à l'extérieur et le contact sur le ponton droit de la voiture. Attention, il va perdre la voiture à la réaccélération. Donc c'était limite. Jean-Claude Laetitia un peu présomptueux sur cette attaque. C'est très serré. Simon Pirard qui la perd complètement dans la première chicane. Attention, drapeau jaune au 3e secteur. Ça s'est enlevé, c'était certainement un pilote au-delà des limites du tracé. Ouais, Simon Pirard qui se bat beaucoup avec sa voiture, certainement quelques plats suite aux nombreuses défenses qu'il a dû mener tout au long de cette épreuve. Et donc les pneus ont tenu pour la plupart des pilotes sans passage au box. Ouais, là, la voiture devient très délicate à piloter pour ces deux pilotes. C'est très très tendu.
Allez, il a 7 minutes pour récupérer le podium. Et maintenant, il en a 4. Avec le délai du chat, évidemment. Ça arrive. Et quel hécatombe! Quel hécatombe! On a perdu 6 voitures dans cette épreuve. Alors, on a eu un accident au départ qui a éliminé pas mal de pilotes. C'est le risque du métier, dirons-nous. Mais là, c'était très, très serré. Cette dernière course n'aura pas été de tout repos. Notamment pour le champion Anthony Yates, qui vient de compléter son 30e tour de course avec bien maintenant 8 bonnes secondes d'avance sur Nicolas Paillès, qui est en train de glisser. Puis 30 secondes d'écart entre Simon Pirard, que vous avez à l'image, et son poursuivant, avec Kevin Lefondré, qui est allé taper le mur malencontreusement alors que celui-ci avait une 3e place assurée. Du moins, il se battait pour une seconde. Le retour de la bagarre entre Jean-Claude Loeticia, Emmanuel Edelera et Philippe Renaud. Voilà, là, il freine à deux de front là. Et on soulage. Un drapeau jaune. Il est allé se mettre dedans. Alors on passe rapidement pour découvrir éventuellement l'image. Drapeau jaune dans le deuxième secteur qui est sorti. Pour l'instant, pas d'alerte. Pas d'alerte chez nous. Et c'est Laurent Bougazi qui s'est arrêté sous la tribune. Laurent Bougazi, quel dommage. Quel dommage pour le pilote de la voiture numéro 55. C'est terminé. Alors va-t-on avoir droit à un safety car à 3 minutes de l'arrivée? On a déjà eu le coup à Suzuka. Alors là, il est bloqué en 4e vitesse. Peut-être un souci moteur pour lui. Peut-être a-t-il trop tiré sur sa voiture. En tout cas, ça semble terminé pour lui. David Lespèce semble maintenant bien installé en 3e place. Et voilà donc Laurent Bougazi contraint à l'abandon. En tout cas, drapeau jaune. Va-t-on sortir un safety car à 2 minutes 30? Ce serait quand même fou. Parce que là, le drapeau jaune est bien installé. La bagarre toujours entre Emmanuel Edelera, blotti dans l'aspiration de Jean-Claude Loeticia. L'attaque à l'intérieur. Et Jean-Claude Loeticia va pouvoir croiser parce que de nouveau, c'est trop large pour Emmanuel Edelera. Attention aux limites de la piste, à ne pas répéter cette manœuvre trop souvent. C'est pas la première fois ce soir que notre ami italien va au-delà de la limite dans ce premier gauche. Le drapeau jaune est maintenant enlevé. Est-ce qu'il a pu repartir, notre ami Laurent Bougazi? Non, ça y est, c'est terminé pour Laurent Bougazi. Il n'y a plus que 12 voitures en course et 9 voitures dans le tour du leader. Que voici. De nouveau la bagarre avec Emmanuel Edelera. Et voilà, le DRS. On s'en doutait bien que c'était là que... Oh là là, là, l'extérieur bien attaqué. Ça ne servait à rien de passer en vue embarqué. Là, ça a du sens et le freinage à la limite pour Jean-Claude Loeticia. Ça va être très très serré cette course. Et on semble déjà être dans l'avant-dernier tour pour Anthony Yates. Ce leader, et vous voyez au fond, oh là là, la grosse dérive, vous l'avez peut-être aperçu. Voilà pour Simon Pirard qui a vraiment une chance là d'aller récupérer ce podium. Le DRS maintenant activé sur la voiture de Simon Pirard qui va dépasser David Lespèce. On va vivre ça en caméra embarquée avec vous. Est-ce que David Lespèce va se faire dépasser à l'extérieur? Ils vont roue contre roue. Et non, ça n'est pas passé. Mais il reste encore quelques possibilités alors qu'on est dans la dernière minute de course. Nouvelle attaque de Simon Pirard, vous le voyez sur la droite, ça va arriver tout de suite. Voilà David Lespèce, on va avoir une belle bagarre ici qui va s'afficher. Voilà à l'extérieur. Oh, il rate son freinage Simon Pirard. Attention à ne pas couper, il décolle Simon Pirard. Ah là malheureusement il n'avait pas d'autre choix que de passer et d'escalader les gendarmes couchés. C'était bien serré, en tout cas on est dans le dernier tour de course, c'est officiel. Et Anthony Yates va, voilà, allez cueillir une nouvelle victoire cette saison. Allez, c'est bientôt... voilà, le dernier tour officiellement. Il vient de l'entamer avec eh bien, un boulevard de 10 secondes maintenant. Sur une deuxième place qui, on le sait maintenant, est adjugée à Nicolas Paillès. Par contre, celui qui nous donnera le nom du troisième pilote sur le podium ce soir, eh bien, il peut commencer à lancer les pronostics. Parce que là, Simon Pirard est décroché. Derrière, ça ne bouge plus vraiment seul. Allez, Philippe Renaud, après ses déboires au premier virage, pourrait aller chercher de nouveau quelque chose. Attention, deux secteurs sont sous drapeau jaune.
deux secteurs sous drapeau jaune, on va rester prudent. Ça ne concerne pas les leaders, du moins pas directement. Si Simon Pirard en tête à queue, incroyable. Simon Pirard en tête à queue, la troisième place pour David L'Espèce, c'est maintenant une certitude. Ah là là, c'est dommage, et peut-être un souci sur cette voiture après l'escalade des gendarmes couchés. Oui, la voiture est totalement inconduisible pour lui. Et de nouveau drapeau jaune dans le premier secteur, et c'est Fabrice Piaia qui est allé à la dérive. Allez, on va retrouver Anthony Jans pour le troisième et dernier secteur de cette épreuve. Et on salue Dopamine qui est allé mettre un petit coucou sur le chat. Bonsoir. Allez, c'est terminé. Dernier tour de l'épreuve et de la saison. Et ce sera de nouveau en tête qu'il sera complété par Anthony Jans. Le pilote belge aura mené d'une main de maître ce championnat de Formule Renault 3.5. Qui pourra le déloger l'année prochaine avec la nouvelle réglementation F1? Vous pouvez vous inscrire sur le site de la FFSCA, bien entendu. Toutes les informations dans la description. Voilà, Anthony Jans déclaré vainqueur après 1h, 11 minutes et 53 secondes de course. C'est terminé, victoire pour Anthony Jans. Le pilote belge remporte les 25 points de cette dernière course de l'histoire de la Formule Renault 3.5. Deuxième place pour Nicolas Payès, qui n'aura pas démérité. Et voilà, c'est fait. Troisième place pour David L'Espèce. Au terme d'une très longue bagarre avec cet homme, Simon Pirard, qui se sera bien battu, mais ce sera pour lui le pied de podium avec une voiture, vous le voyez depuis son escapade sur les vibreurs, bien difficile à maîtriser. Voilà, Simon Pirard qui passe la ligne d'arrivée. Cinquième, ce sera Kevin Effondré, de nouveau en proie à des soucis et un contact avec le mur. Et on joue... les places hors des points également derrière avec la 11e place qui vient de se jouer à l'instant. Voilà le passage de la ligne d'arrivée pour Kevin L'Effondré. 6e place pour Cyril Renault qui revient de très très loin après son accident en qualification. Bravo à lui. 6e place pour Cyril Renault ici à Abu Dhabi. Donc avec eh bien une course qui se sera déroulée sans safety car avec eh bien comme cadre pour terminer cette magnifique saison les étoiles du ciel des Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi. C'était normal après tout de terminer dans de telles conditions. Alors là, je ne saurais pas vous dire qui va terminer à la 7e place parce que Jean-Claude Laetitia va tout donner jusqu'au passage du transpondeur pour aller chercher Emmanuel Edelera, mais à moins d'erreur du pilote italien, c'est la 7e place que va ramener Emmanuel Edelera. Voilà, c'est maintenant chose faite devant donc Jean-Claude Laetitia, Philippe Renault, malheureuse victime de l'accident au premier virage qui termine donc 9e. 10e place pour Mathieu Leclerc, le dernier pilote à ramener des points. Il a été très discret pendant cette épreuve, Mathieu Leclerc. Il a longtemps évolué à la limite du top 10 et il va tout simplement terminer la saison avec une 10e place. La victoire pour Anthony Jans, peut-être quelques donuts, ça serait bien sympathique. Allez, il va y aller. Voilà, Anthony Jans qui fête comme il se doit son titre et sa victoire. Bravo messieurs, vous nous avez encore offert ce soir un beau moment d'e-sport, merci. Et vous pouvez eh bien cramer toute la gomme que vous voulez. Ces voitures rentreront soit au garage, soit au musée, c'est selon. Et ne vous inquiétez pas, et voilà, vous voyez que les voitures, si on ne fait pas attention, ça va très vite à la dérive. Et puis pas besoin de sauver le moteur puisqu'ils ne serviront plus. Bye bye les moteurs Zytec 4 litres 3. Et place au V6 hybride l'année prochaine avec donc la Formule 1. Et on vous l'avait promis, vous allez pouvoir découvrir maintenant le logo officiel de la saison prochaine. Vous êtes prêts? Voilà, rendez-vous en 2016 pour la Formula FFSCA. C'est la nouvelle aventure qui nous attend. À partir du mois de janvier, les sélections auront lieu pendant ce mois de décembre. Vous pouvez toujours vous inscrire sur le site de la FFSCA. C'est avec grand plaisir qu'Anthony Jans et ses petits camarades vous accueilleront pour participer à ce championnat qui permettra à certains peut-être d'éclore, on verra. La voiture leur conviendra peut-être un peu mieux. Et donc voilà, les résultats, vous les avez sous les yeux avec donc la victoire d'Anthony Jans. Donc encore une fois, il aurait été impérial sur toute la saison. Deuxième place pour Nicolas Payès qui eh bien, fait encore une belle opération. La troisième place donc pour David L'Espèce. Et la quatrième pour Simon
Pirard. Et le top 5 est complété par notre ami Kevin L'Effondré. On marque une rapide page de publicité. Non, pas du tout. On fait une petite pause, les amis, et on se retrouve d'ici quelques instants pour l'interview des trois pilotes ayant terminé sur le podium. A tout de suite. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Alors, nous sommes maintenant en conférence de presse avec deux des trois pilotes, puisqu'il nous en manque un qui devrait arriver rapidement. David L'Espèce, s'il veut bien nous rejoindre. Il faut encore le trouver dans les nombreuses rooms disponibles ce soir. Alors, où est-il, notre ami David? Ah bien, il est là, c'est parfait. Bonsoir ou rebonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir fait le déplacement une nouvelle fois jusque dans ma petite cabine. On va rappeler donc le classement final de cette course avec donc la victoire d'Anthony Jans devant Nicolas Payès et David L'Espèce. Les trois garçons sont avec nous, on va s'intéresser à eux dans quelques instants. On complète le classement avec Simon Pirard 4e, Kevin L'Effondré 5e, Cyril Renaud 6e, Emmanuel Edelera est 7e, Jean-Claude Laetitia 8e, 9e place pour Philippe Renaud. Et le dernier point revient à Mathieu Leclerc. Messieurs, bonsoir, merci à vous pour le spectacle offert ce soir et tout au long de la saison. On va d'abord commencer avec quelqu'un qui, je crois, a eu une fin de course difficile puisqu'il termine 3e, c'est David qui a dû lutter face à un Simon Pirard déchaîné pour aller ramener cette dernière marche du podium. Raconte-nous, si tu veux bien, comment tu as vécu cette dernière course de la saison. J'ai lutté tout le long parce que donc avec le fond de gris que j'avais pris, je suis parti 17e, donc il a fallu que je remonte tout le paquet. Je savais que j'étais bien en rythme de course parce que du coup je m'étais concentré sur le réglage de la voiture en version course. Je savais pas trop comment ça allait se passer au niveau des pneus. J'ai vu qu'au bout d'une demi-heure ça tenait bien, donc je me suis dit qu'il fallait que j'attaque vraiment plus pour attraper Simon. Ce que j'ai fait petit à petit, ça a pas été facile parce que là ça se battait vraiment à coup de dixième. Et après, on s'est bataillé à coup de chrono, à coup de DRS, quasiment à coup de roue dans certains virages. Et donc Simon, sur une dernière tentative de me passer à l'extérieur de la deuxième zone de DRS, a tiré à l'extérieur. Il a pris les anti-cuts et il s'est envolé. Et du coup, voilà, ça m'a permis de décrocher le podium. Donc je suis très très content. Belle performance, d'autant plus qu'au classement, ça va te permettre de faire un petit bond en avant, tout de même. Ouais, tout à fait. Bon, je t'avoue que j'aime pas du tout regarder le classement, parce que bon, j'ai raté plein de courses, donc... C'est vrai qu'avec les 15 points que tu ramènes aujourd'hui, ça va te faire un petit bond en avant. En tout cas, belle dernière épreuve de la saison. J'imagine qu'on te retrouve l'année prochaine pour la nouvelle aventure de la Formula FFSCA.
Je sais pas trop, ça risque d'être surtout par rapport à mon calendrier. Le mercredi, c'est un peu compliqué pour moi, donc je pense que ça sera sans doute plus l'IndyCar que la Formule FFSR. Très bien, parce qu'on rappelle qu'en parallèle, évidemment, il y a un deuxième championnat mis en place et même promu par le très bon Michael Dufauré que vous pourrez retrouver pour le championnat d'IndyCar. On espère te retrouver du moins sur les di différentes pistes lors de ces championnats organisés par la FFSCA. Merci à toi, David, l'espèce donc troisième ce soir à Abu Dhabi. Un dernier mot et ensuite on va te libérer pour que tu puisses retourner débriefer avec ton équipe si tu souhaites. Ah bah, pas grand chose à ajouter. Venez nombreux, il y a plein de championnats super chouettes qui se préparent l'année prochaine. Beaucoup sur Air Factor 2, encore quelques-uns sur Air Factor 1. Et donc, vous allez avoir le programme de toute façon d'ici très peu de temps complet. Voilà, Ah parce bah qu'on est en très train de bien. valider les championnats, donc ça Très bien. Bah prendra plus écoute. beaucoup de temps maintenant. Bah merci beaucoup en tout cas pour ces quelques mots. On va te laisser te rediriger vers la room qui est la tienne après cette course. Merci de ton intervention, David, et félicitations encore pour ce podium bien mérité. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. On passe maintenant au deuxième de cette course, Nicolas Payès, qui, eh bien, pendant une bonne partie de la course, a dû lutter avec un coéquipier peu conciliant. Il y a eu des échanges de positions, des coups de roue et des coups d'aileron. Est-ce que tu peux nous expliquer, Nicolas, comment tu as vécu cette course animée avec notre ami Kevin Léfondré, de nouveau victime d'un petit souci, et il termine, eh bien, contre le rail. Il peut repartir, mais ça n'était pas de tout repos pour toi non plus, cette épreuve. Oui, en fait, l'épreuve était super intense. Franchement, j'allais même transpirer à grosses gouttes quand j'étais juste derrière Kevin. En fait, je me bataillais un peu avec lui. Mais après, je savais qu'il était en appui fort et moi en appui un peu plus faible, donc j'avais l'avantage en ligne droite. Lui, il avait l'avantage dans les virages, mais bon, vu qu'il arrivait pas, enfin, que sa voiture patinait autant que la mienne, en fait, en sortie de virage, j'avais plus de facilité, en fait, à reprendre après dans les lignes droites. Donc, ce qui m'a aidé pour le doubler. Et une fois que je me suis retrouvé devant lui, j'ai pu souffler un peu, ouais, parce que j'ai vu qu'il s'était, il avait pris un mur 3 ou 4 tours après, quoi, un truc comme ça. Donc, ce qui a aidé fortement, ouais. Donc il termine finalement cinquième de cette épreuve. Encore un podium, finalement, on commence à se parler souvent. C'est bien. Est-ce que tu as un objectif, toi, pour l'année prochaine au sein de la FFSCA? Quelles seront tes dispositions? Vas-tu participer à ce championnat Formule FFSCA ou à l'IndyCar? Ou quels sont tes projets pour l'année prochaine après cette Formule Renault 3.5? Donc la Formule Renault 3, donc après la Formule Renault 3.5, on va rouler en, ben enfin, j'irai rouler en Formule 1 avec un nouveau coéquipier qui est Cyril Renault. Et puis en parallèle, on fait une course, enfin on fait des courses d'endurance au WEC avec Anthony, Simon, Kevin et Cyril. Voilà, donc ça sera mes deux seuls championnats et ça sera largement suffisant vu le calendrier de la Formule 1 pour l'année prochaine. Oui, on annonce bon nombre d'épreuves, je crois 16 si je ne dis pas de bêtises. Oui. J'allais dire 18, mais non, c'est bien 16. Donc oui, un programme chargé déjà donc pour l'année prochaine. Donc on peut compter sur toi pour être sur les grilles de la FFSCA que nous retransmettrons bien entendu chaque mercredi. On vous laisse, on se répète un petit peu, mais on vous laisse aller voir dans la description sous le flux Twitch si vous êtes encore avec nous ou dans la VOD, hein, dans le descriptif de la vidéo YouTube si vous souhaitez découvrir le forum de la FFSA pour toutes les informations et les inscriptions. Nicolas, est-ce que tu souhaites rajouter un dernier mot avant que l'on passe Pas plus de mots que le président, David Lespès, hein, venez nombreux, voilà, y a quand même une bonne ambiance et tout, donc plus on est de fous, plus on rit, hein. Voilà, tant qu'on est dans le bon esprit, c'est ce qu'on défend tous finalement, hein, le Voilà, et respect, puis le on fair play. espère te voir aussi l'année prochaine. Ah, Évidemment, ça va de soi. évidemment, on va tenter de voir si on peut mettre une main sur le volant et une main derrière le micro l'année Ah, mais prochaine. pourquoi pas? On va voir ce qui est faisable en tout cas. Merci en tout cas, ça fait plaisir à entendre. Merci, eh bien, compliments à l'organisation aussi. On va en parler maintenant avec le vainqueur du jour. Merci à Nicolas d'avoir pris le temps de répondre à mes quelques questions et on te souhaite une bonne Merci à soirée et un toi. bon débrief. Bonne soirée à vous, merci. Place maintenant, alors là, ça devient pas habituel parce que l'année prochaine, j'espère que certains vont se bouger pour que ça change. J'aime toujours l'accueillir dans ma cabine, mais on aimerait bien que ça change puisque nous sommes neutres après tout. J'ai le plaisir une dernière fois dans le sein de la FFSCA et dans le cadre surtout de ce championnat Formule Renault 3.5 d'accueillir le vainqueur Anthony Yates. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois qu'on se voit, Anthony. Bonsoir. Rebonsoir, pardon. Oh, bonsoir.
Alors, cette épreuve, un départ difficile, des voitures dans tous les sens au premier gauche, au deuxième gauche, pardon. Comment tu as vécu cette épreuve où tu as été talonné et petit à petit tu as su façonner ton écart pour te mettre à l'abri? Bah, ouais, au départ, j'avais des difficultés avec la voiture, donc je peux pas vraiment dire pourquoi, mais voilà, d'un coup, ça a été mieux et j'étais un peu plus à l'aise, même si j'avais quand même des problèmes avec le frein. Après, bon, bah, hier, Nicolas et Kevin se sont battus et ça a un peu permis un petit peu de prendre de l'avance à la régulière, quoi. Et pour toi, une épreuve assez classique finalement, quand on regarde le processus, tu parviens à répéter cette manière de faire, de batailler, te mettre à une distance et ensuite gérer cet écart et les autres derrière font les erreurs que toi tu ne fais pas. Et au final, bah, tu récoltes les points. Donc une technique qui a payé plusieurs fois cette saison, du moins depuis la seconde partie de saison. Avant, moi, je n'étais pas aux affaires, donc je ne savais pas ce qui s'était passé outre mesure. Donc est-ce que tu penses que cette manière de procéder avec les nouveaux éléments qui arriveront l'année prochaine avec la Formule 1, tu pourras continuer de, on va dire, de pratiquer ce mode de défense et en tout cas cette stratégie en course, ou ça va radicalement changer? Ça va être vachement plus compliqué parce qu'il va falloir gérer vraiment les pneus. Donc vraiment une stratégie. Et, je pense qu'il y a aussi une grosse part de feeling, quoi. Je veux dire, il va falloir aussi un peu plus creuser au niveau du setup parce que c'est vachement plus compliqué. Donc on verra, mais je pense que ça va être au niveau du setup un peu plus complexe, ouais. D'accord, donc on s'attend à peut-être plus de difficultés à mettre les voitures au point. On te sent très marqué ce soir. Tu es, je pense, eh bien soulagé d'être arrivé au bout de cette saison après toute l'organisation qui a été mise en place. Ça n'a pas été facile avec également les soucis techniques qui ont reporté cette dernière course. Moi, je tiens sans aucune mauvaise intention, simplement te remercier. Voilà, c'est de manière totalement neutre. Moi, merci en tout cas à Anthony. Voilà, je le fais maintenant parce que c'est lui qui m'a proposé eh bien, de prendre les rênes de la diffusion de cette compétition et de voilà de la plébisciter, de la mettre en avant. Il m'a laissé gérer l'image et pour cela, voilà, je tenais à te remercier, Anthony. C'est un peu le moment, tu sais, à la fin de la cérémonie où je remercie mes parents. Mais voilà, Ouais. c'était merci à toi en tout cas de m'avoir fait confiance et de m'avoir bien prolongé cette confiance pour l'année prochaine. On espère que ça pourra se faire. Bien sûr, l'ensemble de la saison. En tout cas, on fera tout pour. Un mot peut-être en tant que, on va dire, gérant, manager, plus dans le côté gestion ici pour l'année prochaine. Est-ce que tu peux éventuellement nous inviter ou inviter les viewers ou les gens qui verront cette VOD pour s'inscrire pour l'année prochaine? Un peu comment ça se passe, comment il faut procéder? On sait qu'on doit aller sur le site de la FFSCA, mais comment se passe globalement le recrutement? Je crois qu'il y a déjà une séance de prévue d'ailleurs au niveau de ce mois de décembre où elle a déjà eu lieu, je crois, je ne sais plus. Bah, ce qu'on appelle les tests hivernaux ont déjà débuté. Ils s'arrêteront, je pense, le 20 janvier. Ça permet à tout le monde de tester les voitures, pas la voiture parce qu'il n'y en a qu'une, avec les différents types de pneus, vraiment de s'acclimater au mode. Simplement, et bah, pour les inscriptions, c'est via le forum. Alors, il y a une personne qui est en train de travailler sur un site web, donc ça très bientôt disponible. Donc tout ça, voilà, si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, tout simplement vous dirigez sur le forum FFFCA. Il y a également la page Facebook officielle qui a été créée, donc FFSCA Formula, c'est ça? Voilà, formulaire FFFCA. Voilà, de toute façon, si vous avez la moindre question, vous pouvez contacter des nombreux admins qui eux vous redirigeront vers les séries. Il hein. y a notamment Kevin Le Fondré, Cyril Renaud, moi-même, David L'Espèce, enfin. Vraiment beaucoup 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 donc voilà s'il y a vraiment la moindre question vous pouvez toujours la poser que ce soit sur le Facebook ou sur le forum. Très bien, bah écoute, je crois que le message est passé. On va te laisser une dernière fois voilà, rejoindre ton équipe pour le dernier débrief de cette Formule Renault 3.5. Moi, je suis un petit peu ému, je te l'avoue, d'avoir participé à tout ça, mais on reviendra plus fort pour une nouvelle aventure l'année prochaine. Merci beaucoup, Anthony, de ta disponibilité tout au long de cette deuxième partie de saison. Félicitations, tu es champion de cette Formule Renault 3.5, champion 2015. Donc, rendez-vous donc en 2016 pour de nouvelles aventures.
Merci à toi et merci à tout le monde de nous avoir regardé. Petit bonjour à Jérôme Fias qui doit nous regarder. Alors, il y a de la privée de joke ou des histoires internes dont je ne vais pas me mêler, mais bon, on le salue évidemment. Si Voilà, il va être l'heure d'aller débriefer dans le lit, je pense. Ouais, d'accord. Bon. Bah écoute, merci Anthony, et on te souhaite donc un bon débrief malgré tout et une bonne soirée. Et on se retrouve très vite alors. Ouais, à très vite, merci à toi. Bonne soirée, au revoir. Voilà, bah écoutez, c'est terminé, ça y est. Nous y sommes arrivés, la Formule Renault 3.5, c'est terminé, la fin d'un chapitre pour la FFSCA, le début d'un autre. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour eh bien, de nouvelles aventures. On sera du côté de la Formule 1 avec un championnat monomodèle, comme vous avez pu le suivre cette année. Mais eh bien là, il y aura quelques changements avec les nouvelles réglementations pneumatiques, etc. Merci à toutes et à tous d'avoir été très nombreux à me suivre. Je vous remercie un à un personnellement pour bien votre fidélité. Voilà, merci, ça fait toujours chaud au cœur. On se retrouve l'année prochaine. Restez connectés. Rendez-vous sur la page Facebook et le Twitter MaxoulPilote. Rendez-vous aussi sur le site de la FFSCA. Tous les liens sont dans le descriptif de la VOD YouTube que vous êtes peut-être en train de regarder. Si on ne se voit plus, joyeux Noël, bonne année et à bientôt donc pour les nouvelles aventures de la Formula FFSCA. Rendez-vous en 2016. Merci. Une bonne nuit à tout le monde. Salut! Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy, but it's so. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah.